Bonjour. Oui, encore un stream un petit peu random. J'ai fait pas mal d'heures sur RE4 pour continuer les achievements sur Steam. Puis, j'avais rien d'autre à faire. J'avais pas grand-chose à faire. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais relancer un stream. Puis comme ça va me motiver parce que vous allez être derrière moi à me dire peut-être quoi faire. En tout cas, j'ai pas affiché toutes mes fenêtres. Qu'est-ce que je fais? Kevin Game, merci pour ton 20e mois d'abonnement Twitch Prime. Atibi, pour ton 2e mois d'abonnement. Allez hop hop hop, on s'abonne. Merci pour tes lives en journée qui accompagnent mes journées de taf au télétravail. Avec plaisir, Atibi, avec plaisir. Merci en tout cas pour ton 2e mois. Lumirio, merci également pour ton 2e mois. Shadow GG pour ton 5e mois. Merci à vous. Merci à vous. Alors normalement, Demilich, tu peux voir dans tes abonnements qui t'a offert l'abonnement. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Je lance un stream, mais tu sais, je sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, je suis resté un petit peu FK pour avoir des PNJ et il se trouve que j'ai eu aucun PNJ. Donc je sais pas si avec la dernière snapshot, on a des soucis de reproduction de PNJ. J'arrive pas à en avoir. Donc je vais peut-être tester du coup tout ça en créatif. Ah, on pourrait faire du minage dans le Nether, ouais. Ah, ça lag. Je vais virer ce qui traîne là, voilà. J'avais rangé la tête ici. Ouais, je l'avais rangé la tête ici, donc je peux faire ça. Et breeder à villageois, breeder à villageois. Je sais même pas où je... Si, j'en avais mis un là. Il faut que je recheck si ça fonctionne bien ça. Sur la dernière mise à jour de Minecraft. Alors, hop, un petit villageois. Normalement, tu vas travailler, toi. Non, viens pas vers moi. T'as un truc là-bas, là. Allez. Merci Rinzuka pour ton 19e mois d'abonnement Twitch Prime. Et hop, un mois de plus, ML. Comme ça, toujours un plaisir de voir ta live. Merci à toi, Rinzuka. Faut pas être à la bonne heure. On ira. Allez. Tu me diras, le... je vais peut-être réactiver le cycle jour-nuit. Hein. Do the light cycle. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vois pas ton truc là? Je vais te l'enlever et je te le remets. Voilà. Très bien, tu l'as. Maintenant qu'il l'a, il faut qu'on mette deux PNJ ici. Il faut qu'on voit si on a des bébés, si on a des bébés PNJ qui arrivent là. Étant donné qu'ils ont ajouté des fonctionnalités au PNJ, le PNJ maintenant il peut mettre de la bonne mille sur les crops. Genre si je lui donne de la bonne mille, normalement il est capable de le récupérer. Hop, là il vient de récupérer la bonne mille et normalement il est capable de mettre de la bonne mille maintenant sur les carottes. S'il en a besoin. Et techniquement pareil, il est capable aussi de mettre des trucs là-dedans. Hein. Donc je sais pas si ça chamboule un peu le système pour avoir des bébés PNJ. Merci Mermax pour ton 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Alors on va attendre un peu voir si on peut voir un échange de carottes. S'il y a un échange de carottes, je pourrais leur bourrer de carottes. Et voir si on peut avoir... Le random tick speed, c'est pour... Ça n'a rien à voir avec les PNJ. J'ai pas de mode qui permet d'accélérer le temps. Shivan, bonjour à toi. D'ailleurs, Shiptune, c'est bien, mais ça me pète la tête, là. On va mettre du bon rock, là. Voilà. Bonjour, KSP. Non, t'as rien loupé, on vient de lancer et justement je viens de me rendre compte que dans mon monde, avoir des PNJ c'est compliqué. Je ne sais pas pour quelle raison et du coup je teste là en créatif avec la dernière snapshot. Parce qu'il y a peut-être des changements avec la snapshot qui font que
Bah, il y a du mal avec les PNJ, je sais pas. Je vais mettre un live 10K en fond. Oh, mais après, je vais être copyrighté. Il va piquer tous mes sous. Il fait du piano là en ce moment. T'as une battle là, j'aimerais bien, mais non. Ah oui, joyeuse pack à tous d'ailleurs. Bon, t'as des PNJ qui crèvent la dalle, tu veux pas leur donner des carottes plutôt que tout garder pour toi là? Quand même incroyable ça. Tiens. Voilà, il est full, normalement il devrait pouvoir se vider un petit peu là. Hein. Salut Yaja Japon, ça va et toi? Oh, ça m'arrive de jouer en Vanilla. Là j'aimerais voir, là je crois qu'il est bugué, il a envie de récupérer les carottes mais il peut pas les récupérer. Est-ce que c'est parce qu'il a de la bonne mille sur lui et que du coup il a du mal? Je sais pas. Bon allez, t'as des PNJ là, donne-leur un truc. Le setup que j'ai installé ici, c'est exactement le même setup que Impulse SV a fait sur son tuto, donc normalement, il est censé fonctionner. Mais c'est ça, il arrivait pas à prendre le stack. Peut-être parce qu'il a de la bonne mille et que, je sais pas, il est peut-être bugué, il se dit « Ah, j'ai encore de la place » alors qu'il a pas de place. Alors, Jordu, comment tu peux en être sûr à 300% de ce que tu dis? Surtout que là, on n'est pas en 1.15. Hein. Et que la bonne mille, c'est qu'à partir de la 1.16. Et des snapshots 1.16. Normalement, non. La mécanique des villageois n'a pas été modifiée. Mais entre la 1.15 et la 1.16, il y a eu des modifications au niveau des villageois qui font que les villageois peuvent interagir avec les composteurs et peuvent interagir avec de la bonne mille. Il y a eu ça qui a été ajouté sur les villageois. Donc en soi, le mécanisme de bridage de villageois, donc pour avoir plus de, enfin pour avoir des bébés villageois, n'est pas censé avoir changé. Mais je me retrouve avec un monde où je n'arrive pas à avoir de bébés villageois alors que je n'ai rien changé par rapport à la 1.15. Là, je joue en snapshot. On est sur la 20W15A. Peut-être que c'est un bug de cette snapshot-là et que du coup, ça expliquerait pourquoi ça ne marche pas. Ou peut-être que c'est pas un bug et que c'est un changement. Pour le coup, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde les bug reports s'il y a des bugs vis-à-vis de ça. Ah, il s'approche. Est-ce que tu vas jeter des carottes? Vu qu'on a un snapshot, il n'y a rien qui est... Techniquement, c'est pas stable une snapshot. C'est des tests pour pouvoir sortir une version stable. Mais vu que je joue en snapshot, bah, il y a de fortes chances que bah, il y a des trucs qui marchent plus. J'ai pas l'impression qu'il envoie des carottes, hein. Je crois maintenant avec la dernière snapshot, les villageois de tous les composteurs, et ils donnent rien aux villageois, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc en gros, le villageois ici avec le composteur ne donnera plus d'items à ces villageois là, c'est ça? J'ai peut-être pas suivi, hein, parce que moi j'ai pas suivi tout ce qui est détail des changements. Mais du peu que je peux voir, ouais, ils donnent pas de nourriture, hein, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à avoir de PNJ. Salut à ceux qui arrivent. Oh, Bido, il a Théo à HL. Waouh. 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 Incroyable. Bon, en tout cas, ce PNJ ne veut pas envoyer les carottes, hein, clairement. Si je t'envoie un stack, tu vas me prouver que t'es toujours full. Ouais, il est toujours full, hein. Il est toujours full et il n'arrive pas à récupérer le stack. Et pourtant il est bugué, hein. Là il a vu le stack, il est à fond dessus. Hein.
Déjà, vu que là il y a des PNJ, ils ont pas dû repérer les lits. Donc on va reposer les lits. Là, ils ont repéré les lits. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ok, on remet le jour. Il vient d'utiliser sa bonne mine. C'est vrai que j'ai oublié en créa, quand tu rajoutes des PNJ, faut que tu replaces tout. Hein. C'est pour ça qu'on avait un bug avec le composteur tout à l'heure. Mais ouais, il a pas l'air de vouloir envoyer des carottes, lui. Hein. Là, j'envoie le stack. Il veut essayer de le récupérer, mais il n'y arrive pas. Et là, il vient de balancer des carottes là-dedans, de ce que j'ai entendu. Hein. Non, ils sont pas claustro, ils se tiennent chaud. On peut essayer un villageois. Oh, je pensais que j'avais l'effet super puissant. Je pense pas que ça change quoi que ce soit d'avoir un villageois qui est la bonne mille, mais bon, au cas où on va tester. Hein. Voilà, tu décèdes. Raté, c'est ici que je veux le mettre. Voilà. Là, techniquement, ce que j'ai envoyé, il est censé avoir encore un stack de dispo dans son stockage. Tiens. Ah, bah non. Je pensais qu'ils avaient 9 d'emplacement. En tout cas, il a plus de bonne mille, ça c'est une certitude. Hein. Mais pour autant, il est toujours obnubilé par les carottes qui sont par terre. Hein. Je récupère. Et il a pas l'air de vouloir aller lui en donner, leur en donner. Hein. C'est 8. Ok, je pensais que c'était 9. Je pensais que c'était comme un dispenser, c'est pour ça que... Je pensais que c'était 9. Bon, bah, du coup, c'est 8. Bah, là, il est full carotte. Hein. Donc, ça lui sert à rien de récolter. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est aller en donner au PNJ. Ou alors le mettre dans le composteur. Peut tenter de boucher le dessus du composteur, mais je pense pas que ça change quoi que ce soit. Hein. Ouh. Et c'est Linecraft. Quoi de prévu aujourd'hui? Tu dis ce soir, mais nous ne sommes pas le soir. Là, j'essaie de regarder pourquoi mes PNJ sont buggés. Bon, il a vraiment pas l'air de vouloir donner les carottes. Hein, donc, Ou alors là, il est complètement buggé parce qu'il trouve plus sa station. Hein. Là, ça a l'air libre. Tu l'as, là, ta station. Regarde, je recule. Et pourtant, il les voit, ses potes, hein, parce qu'il est censé les voir. Hein. Non, il lance pas les items vers le composteur, il les pose. Il faut qu'il interagisse avec le composteur. Donc, il pourra pas les envoyer. J'ai retiré la bonne mille, c'est un nouveau PNJ qui n'a pas de bonne mille. Donc la bonne mille fait pas bugger vu qu'il en a pas. Un moyen de dupliquer l'œuf de dragon en survie. Je sais pas du tout comment on peut faire. Bon, eh bien, ce cher monsieur ne veut pas jouer le jeu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vérifier si le breed des villageois fonctionne toujours. En remplissant leur inventaire, techniquement, ils vont me faire un petit, sans aucun problème. Le problème, c'est que je suis obligé de leur donner manuellement maintenant des carottes. C'est chiant. Ah là, là, j'ai le petit. Ils viennent de chier un bébé. C'est beau.
Mais lui, il est complètement buggé, hein. Le truc, c'est que les PLJ qui a un cycle jour-nuit, ça change pas le fait que lui, il doit travailler pendant un certain temps de la journée. Là, peut-être que c'est plus l'heure. Mais là, c'est l'heure, en fin de compte, où il peut bosser. Là, cette heure-ci, il doit bosser, sauf qu'il bosse pas du tout parce que son inventaire est plein. Et il veut interagir avec ça, sauf que bah, y a rien dedans, pour l'instant. Et il veut rien donner au PNJ, donc... Bon, là, il vient de sauter dessus. Ah! Je t'ai entendu, hein. T'as mis un truc là-dedans. Le problème, c'est qu'on voit rien. Mettre le temps à zéro, oui. Ah. En tout cas, il s'est approché d'eux. Avec le temps à zéro. Oh! Il vient de dégueuler des carottes. Oh, c'était sale. Oh mon dieu. Ouais bah c'est ça en fait. Donc non, il n'y a pas de problème avec les PNJ. Donc je sais pas pourquoi chez moi ils veulent pas en fin de compte. Normalement ça devrait fonctionner très bien. Mais j'ai adoré comment ça a gerbé toutes les carottes, quoi. Magnifique. Bon, évidemment ils peuvent pas tout prendre, hein. Et ils peuvent pas faire des bébés toutes les deux minutes. Mais bon, en tout cas, ils envoient les carottes. Les carottes ici peuvent être récoltées par les PNJ. Donc, normalement, on devrait pas avoir de problème dans notre monde. Hein. Et du coup, je ne comprends toujours pas pourquoi, en fin de compte, on n'arrive pas à avoir de PNJ. J'ai regardé le chemin. Hein, pour ramener les bébés PNJ, il n'y a aucun problème. Ils peuvent pas se noyer, rien. On va retourner voir ça là-bas. Eh bien, pardon si je vous ai fait peur. Mais en même temps, le PNJ il vient de dégueuler toutes les carottes du monde, donc bon. Bon, là, c'est pas des carottes, c'est des patates, hein, mais ça change rien. Hein. Et du coup, ouais, le composteur, il est pareil. Hein. C'est le même setup. Hein. Juste qu'il y a un petit peu moins de zones pour farmer les patates. Et il est censé être full patate. Et il est censé envoyer des patates à eux, là. Et eux, ils sont censés récolter les patates. Alors, on va dire les pommes de terre, hein. Les pommes de terre et faire des petits. Et ils veulent pas. En tout cas, pour l'instant, ils veulent pas. Peut-être que je vais leur donner manuellement des patates pour le moment. Parce qu'en fin de compte, j'aimerais bien récolter les derniers PNJ qui nous manquent. Pour les livres enchantés, ça pourrait être sympa. Tu vends quoi, toi? Absolument rien d'intéressant. Tu penses qu'enlever le composteur et le remettre, ça changerait quelque chose? On peut tester. Tiens, j'enlève ton taf. Je l'ai reposé ton taf. Maintenant, faut sortir. Bon, quoi qu'il en soit, faut que je récupère des os. T'as déjà fait des lives sur YouTube? Yes, j'ai déjà fait des lives sur YouTube et je peux te confirmer que c'est bien de la daube. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur Twitch, parce que c'est mille fois mieux. Le fermier est lock, ouais. Normalement il est lock. Je vais voir en balançant plein de bonnes mille dans les patates et les récolter, les reposer, voir si son inventaire est plein, j'en sais rien. Il regarde le composteur. Coucou, c'est moi. J'arrive, je vais te donner un coup de main.
Ah, peut-être que je m'amuse à faire des nano-farms aussi. Qui me permettrait de farmer ces trucs-là manuellement sans être obligé d'avoir un champ comme ça. En tout cas, il n'y a aucune raison que cette zone ne fonctionne pas parce qu'elle m'a produit énormément de PNJ par le passé. Donc, il n'y a aucune raison que je n'ai pas... Enfin, que ça fonctionne pas, quoi. Ah, vas-y, t'envoies des patates, toi. Non? Vas-y, envoie des patates, là. Qu'est-ce que tu fais? Bon. On replante, hein. Ok, et les patates que j'ai... Oh, j'ai failli tomber parce que c'est vrai que moi je peux passer. Je vais vous donner ça, les gars. Voilà, faites un petit. Ils viennent de jeter les patates dans l'eau. Et l'autre, il vient de me pousser. Puis je peux plus remonter. Elles sont où les patates? Elles sont là les patates. En fait, ce qui doit se passer, c'est qu'il y a... Comment, il doit y avoir un PNJ qui prend toutes les patates et l'autre il veut partager les patates à l'autre. Sauf que ça tombe dans l'eau directement. Mais ça par contre, j'ai aucun moyen de fixer ce problème, hein. C'est pas possible ça. Vous êtes chiant, hein. Parce qu'à mon avis, si ça a dû arrêter de bosser, c'est que, bah, il y en a, comme je viens de le dire, il y en a toujours un qui récupère les patates, mais l'autre récupère rien. Et du coup, vu que l'autre il veut partager ses patates à l'autre, ça tombe, et du coup, on a un cycle infini où il n'y a personne qui a toutes les patates qu'il faut, quoi. Je pense que je vais farmer masse patate manuellement et je vais les blinder les PNJ. Hein. C'est con parce que ça a marché pendant longtemps ça. Hein. Aïe. Mais les dalles sous le lit ça change rien en fait. Ça change absolument rien. Ça changera pas le fait que les patates tomberont quand même dans l'eau en fait. En fait, c'est le problème, tu récupères les patates avec un entonnoir dans le chemin d'eau, puis tu les renvoies jusqu'au villageois, mais du côté opposé de l'ouverture où le fermier balance les siennes. C'est vrai qu'on pourrait ajouter un système qui récupère les patates et qui les recrache. Pourrait pas être con non plus comme idée, hein. On va d'abord. Regardez ça, il laisse toutes les patates pourries par terre. Incroyable. On fait pousser tout ça. Je vais lui priver de toutes ses patates, tiens. Tout ce qu'a poussé, je récupère. Allez hop. T'as plus le gros patate, c'est fini. Tu donnes pas au PNJ, moi je récupère tout. Hein. Il devient fou, il sait plus quoi faire. Alors, tu fais quoi maintenant? Alors mange son steak. Je crois qu'il vient de lancer des patates. Tu viens de lancer des patates, non? J'ai cru entendre un bruit de... Oui mais non, j'ai pas envie de t'échanger les patates, moi.
Mais arrête de me suivre. Ok, c'est full. Tu jettes des patates, toi? Non, bah alors pousse-toi. Ok, on se pose là. Eh hey, les PNJ, récupérez les patates là. Ils sont en train de les jeter par terre. Je crois qu'ils sont full. Ils sont vraiment en train de les jeter dans l'eau en fait. Hein. J'ai combien? 2 stacks. Oh là là. Oh là là. Ouais, on va devoir faire quelque chose pour ça. Hein. On va devoir faire quelque chose pour ça parce que c'est quand même problématique. Hein. Je comprends pas pourquoi ça tombe directement. Enfin, c'est logique que ça tombe, mais pour le coup, ça marchait très bien. Je comprends pas maintenant pourquoi ça marche plus correctement. Surtout ça, moi qui m'agace. Et salut à ceux qui arrivent. Ok. Non, la plaque de pression sur la fence, déjà je pourrais pas la poser parce qu'il y a les PNJ dessus. Et surtout, les items passent à travers la plaque de pression. Non, ils sont pas trois dans leur trou, ils sont que deux. Parce qu'en fin de compte, dès qu'il y a un petit qui se fait, il est automatiquement poussé à cause des hitbox des PNJ et du coup il tombe. Ah, mais si leur inventaire est plein, ils sont censés pouvoir dormir. Alors peut-être qu'en cassant et en reposant les lits, ça changera quelque chose. Je vais reprendre des slats pour pouvoir reposer les lits. Mais avant ça, je vais juste reboucher ça rapidement. J'ai une très très grosse envie de faire pipi. Donc je vais faire pipi rapidos. Je vais vous laisser avec les des PNJ. Le temps que je revienne. J'arrive tout de suite. Je me lave les mains évidemment juste après le pipi. Gotta get it back somehow. Don't you think it's time you find it's crazy? But we've gotta move past this. I don't remember making promises like this, but I can keep a promise. It's crazy the life we lead, but this is how it always will be when no one's there. I swore. C'est moi qui vous le dis que la vessie vidée, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ça, c'est la pose technique, comme dirait Al-Kazim. Alors, on va reposer les lits du coup. Faut qu'on rouvre notre espace ici. T'as d'ailleurs vu qu'il fait nuit, je vais aller vérifier s'ils dorment dans leur lit. C'est surtout ça l'idée. S'ils dorment pas dans leur lit, ça se trouve, ils repèrent pas leur lit. Ouh, je suis allé trop loin.
Donc ça va nous permettre de savoir une chose. Merci V Maldini pour ton 12e mois d'abonnement niveau 1. Un an déjà, le temps passe. Long game à toi ML, merci beaucoup. Tactique, pas technique, moi c'est pareil, c'est pareil. Donc ils dorment pas. Hein. Ils dorment pas, donc peut-être qu'ils ne repèrent plus leur lit de cette façon là. Le problème est peut-être là. Alors par contre, pour replacer les lits, on va devoir foutre les slabs là. Oups. What? Merci Ika pour le host. Merci beaucoup. J'espère que ton stream s'est bien passé. Nous on galère avec les PNJ. Un vrai plaisir. Bon. Non mais regarde ça! Non mais regarde ça! Ah, je déteste ce jeu. Je casse un lit. Il repère les lits. Oh mais sort de ton lit. Oh puis il est tombé dans l'eau. Oh là là, c'est bon, j'arrête. Il y en a marre! Non, j'arrive pas! C'est là, il est terminé. Ah! Ce jeu me donne de l'urticaire, c'est moi qui vous le dis. Bah ouais, ouais, du coup, ouais, saute, vas-y, saute. Ressaute encore ici. Donc normalement, le lit... Bouge-toi. C'est bon, il a sauté. Il est pas si bête que ça. Bouge. Un petit lit ici. Par contre, il y a un zombie, je sais pas où il est, mais... Un petit lit ici. Mais tombe pas, toi, non plus. Allez. Ok. Un petit lit ici. What? Ta. Ok. Ok. Je déteste ce jeu. Je l'ai déjà dit ça peut-être. Je crois que je l'ai déjà dit. Je déteste ce jeu. Et il est tombé avec nous. Il y a des jours où je me dis... est-ce que je stream ou pas aujourd'hui? Est-ce que je stream ou pas? Ah, c'était un jour où j'aurais pas dû streamer. Regarde-le, hein. Mon golito là. Hein, mon golito, t'es content? T'es dans l'eau? Tu fais trempette là? T'es heureux là? Dans ton trou? Please, par contre, pose tes blocs là. Bouge, s'il te plaît. J'en ai rien à faire que je t'ai tapé. Voilà, t'es content là? Ah oui, il est content. Hein. Et regardez-le. 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 Non mais regardez-le. Regardez-le. Imbécile heureux. Vas-y, tu peux monter là. Tu peux monter, c'est bon. C'est pas ton lit ça, tu dégages. C'est pas pour toi ça, dégage. Tu vas mourir, hein. Vous savez quoi, je vais peut-être les buter, hein, ramener d'autres, les ramener manuellement, parce que là, ça me chauffe, là. Faut que je boive un coup. En plus, ils sont tous tombés dans l'eau. Je crois que je vais tous les buter. Ça changera rien que je leur mette un métier. Ils sont mignons, hein. Ils sont mignons, là, dans leur trou. Hein, hein, vous êtes mignon là. Hein. En même temps, c'est mon erreur. J'aurais pas dû laisser ça ouvert. Il y a un zombie qui est tombé, du coup, il en a profité pour essayer de bouffer le PNJ ici. Ça changera rien que j'enlève toute l'eau. Ils arriveront jamais à remonter jusqu'ici, quoi. Regardez, ils sont coincés dans... Je sais pas ce qu'ils foutent, là. Et merci Geyser pour le host. Ah, c'est, ils sont partis se coucher. Alors toi, tu fais quoi, toi? Toi, t'as pas le droit de dormir, toi. Tu dors pas. Non, mais c'est pas la peine de regarder. Remonte, vas-y, va bosser. Voilà. C'est bien, esclave.
Ramasse des patates pour moi. On va y arriver. Mais retourne dans ton lit. C'est pas l'heure de se lever. Attends, c'est peut-être l'heure de se lever, tu me diras. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ouais, à mon avis, c'est plus l'heure de dormir. Hein. Je déteste ce jeu. Ok, il y en a un qui dort. En fait, faut que j'enlève les blocs sur lesquels ils peuvent popper. Tu veux bien dormir, s'il te plaît? Tu me feras extrêmement plaisir. Vas-y, dors un coup, là. T'as un lit, là, à côté. Dors dans ton lit, s'il te plaît. Alors, pour ceux qui arrivent, vous venez d'arriver en plein moment cauchemardesque. Je suis en train de me prendre la tête avec des PNJ. J'ai voulu déplacer 2-3 petits trucs parce qu'on joue en snapshot. On est en 20W15A. Et lui, là-haut, là, il voulait plus envoyer des patates à mes PNJ. PNJ qui sont normalement là-dedans. Hein. Sauf qu'en retirant les lits pour les reposer, parce que je me suis dit que peut-être qu'il y avait un problème, ils sont sortis. Ils sont sortis. Sauf que lui, il a pris le lit. Et lui, il aimerait récupérer... Ah bah voilà. Vas-y, t'as un lit là. Vas-y. Putain, t'en as un qui dort, l'autre qui sort du lit, quoi. Please. T'as un lit à côté. Tu veux pas dormir, s'il te plaît? Oh, please. Retourne dans le lit. C'est pas l'heure. Nanana. Arrêtez de pousser, y'a rien là-bas. Poussez-vous s'il vous plaît. Merci. Poussez-vous s'il vous plaît. Vous avez des lits, prenez vos lits. J'ai dormi ensemble dans le même lit. Mais non, c'est confinement, chacun pour sa gueule. Chacun dans son coin, rien à faire. En tout cas, il pleut dehors, du peu que je peux voir. Quel massacre ici. Je rebouche tout, hein. Comme ça, je suis sûr que s'il tombe, je me prendrai pas la tête. Et je crois de toute façon qu'il fait jour, donc on va avoir du mal à les faire dormir. Je vais checker rapidement s'il fait jour. Ça devrait suffire, ça. J'aime bien les bugs. Ah, il fait jour. Fuck. Faut attendre qu'il fasse nuit, du coup, pour qu'il dorme. Non, je déteste les PNJ. C'est de la vermine. J'étais à deux doigts de les tuer, hein. Vraiment. Je les tue, je vais en chercher d'autres. C'est peut-être plus long, mais au moins, je peux mieux les contrôler. Et merci Marquand d'épée pour les 300 bits. Ah oui, les villageois, c'est vraiment... À chaque fois que de toute façon que je touche aux villageois, c'est toujours le bordel. Mais là, dans tous les cas, je suis obligé d'attendre qu'ils fassent nuit pour qu'ils puissent retourner dans leur lit. Tu me diras. Je pourrais remettre ça comme ça, hein. Je vais pas avoir assez de blocs, je vais aller en chercher. Ah, terrible. Je crois qu'ils ont compris que je les exploite. Hein. Ils doivent pas trop kiffer ça. Donc le seul endroit où ils pourraient aller, bah là c'est dans leur lit, hein. Ils ont accès à deux lits là. Donc une fois qu'ils iront dormir, en théorie si je rebouche là, ils sont censés repoper au milieu.
Pourquoi j'ai pas ma pioche en netherite? Parce qu'elle était abîmée. Elle est là. Ma Silky Jewel et ma Hold the War. Fortune et Silk Touch, elles sont là. Et vu qu'elle était abîmée, j'en ai pris une autre. Je vais me récupérer d'autres roquettes. Peut-être déplacer ce bouquin aussi. C'est terrible de devoir attendre la nuit, hein. C'est terrible. Non, les pousser, ça changera rien parce que tu peux pas les pousser dans leur lit. Ils iront pas dormir dans leur lit s'il fait jour. Donc jamais ils iront dans leur lit. Et les pousser dans le trou exactement là où je veux, il faudrait que je les fasse sortir de là où ils sont, que je les refasse monter, que je les redéplace avec des minecarts et que je les refasse tomber. Je préfère qu'ils aillent dormir dans leur lit. Je rebouche tout. Et au moins je suis sûr qu'ils vont repopper là où il faut. La belle version pack. Ah bravo monsieur, bravo. Bon, en attendant, on va peut-être l'aider lui. J'ai de la bonne mille. Tiens, si tu veux récolter tes patates, vas-y. Ça nous occupe. Ah oui, il faudrait que je donne un petit coup de houe ici. Please, laisse-moi tranquille. Une mécanique vanilla qui fait pousser le jour, ce serait bien parfois. Qui fait passer le jour. Qui fait pousser le jour. Je suis fatigué moi aussi. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être pas mal. Après, il y a déjà pas mal de nouveautés qu'ils ont ajoutées récemment, qui sont super bien, qui auraient dû être là depuis longtemps. Genre rien que le fait d'avoir un waypoint avec... avec les boussoles, alors ça c'est génial. D'ailleurs je vais pas... Faudrait qu'on essaie de s'en faire un. Justement ce sera l'occasion d'aller... dans le nether, aller farmer de la netherite. Parce que ça coûte une netherite je crois. Pour faire ce bloc là. Pour t'occuper en attendant la nuit, tu as mis le système de recyclage de Poppy. Ah ouais non mais là... Là, si je m'attaque à ça j'en ai pour plusieurs jours. Donc non je vais pas m'attaquer à ça. Là, la ferme à faire, pour l'instant, elle produit, ça fout en vrac dans les coffres, ça me va très bien pour l'instant. Quand j'aurai le temps, je prendrai le temps déjà de faire la structure autour de la ferme à faire. Et ensuite, de faire toute une grande salle pour stocker le fer. Les mettre dans une zone où je pourrais, en fin de compte, casser les coffres rapidement et crafter directement les blocs. Et toutes les poppies, les foutre dans un gros système avec des... avec des composteurs. Mais là, je peux pas m'en occuper maintenant parce que sinon on va faire ça tout le long du stream et finalement on va laisser de côté les PNJ. Ça prend trop de temps. Fadrock, merci pour ton 18e mois d'abonnement Twitch Prime. Merci beaucoup. J'ai que du Silk Touch sur moi. Non, j'ai Fortune là. T'as eu HL, je tape avec Fortune 3. T'es fier? Arrête de me suivre. Me suis, j'ai cassé ton composteur, t'es content? À force de me suivre comme ça, t'es content? Et récupère tout, hein. Il a tout récupéré comme un grand. Alors pas tout, mais... Il récupère tout le reste. Il en avait vraiment besoin, hein, des patates, hein. T'en as encore besoin des patates? Tiens, regarde, j'en ai plein, là. C'est bon, t'es full. Je peux replanter. Ça m'énerve de voir la flotte là qui pop.
tout cas, le PNJ c'est cool, il est full. Par contre, il replante pas, c'est une vraie feignasse. Bouge. Bon, tu veux tes patates là? Voilà, vas-y, donne-moi tes émeraudes là. Voilà, t'es content, t'as tes patates. Voilà, fous-moi la paix maintenant. Ok. Très content de ton tour et que tu ailles mieux. Déjà un peu mieux. Ouais, je vais juste un peu mieux. Ça ira encore mieux, je pense, d'ici quelques semaines, quelques mois. Puisque ça se fixe pas comme ça, mon problème. Mais ça ira mieux. Là-dessus, y a pas de problème. Merci en tout cas, Fredrock. Alors, on va sortir. Qui va faire nuit. Vu qu'il pleut, on peut pas voir où est le soleil, évidemment. Est-ce que j'ai une houe, moi? Si, j'ai une houe, normalement, qui traîne. Ouais. Ah, ça y est. La nuit commence à tomber. Est-ce que vous allez me faire le plaisir d'aller dormir dans votre lit? Il y en a un qui dort. Ok, il y en a un. Il y en a un. Il faut que l'autre dorme également. Si je casse ça. Non, je peux pas le rejoindre, il y a un bout de verre. Ok. Bouge pas, pote. Bouge pas. J'arrive. Désolé, je te marche dessus, hein. Ne regarde pas. Va te coucher, toi, please. Allez, on reste ensemble. Va te coucher, s'il te plaît. Tu veux pas être couché? Non. Il y a un lit, là. Regarde, il y a un lit, là. Tu veux pas y aller? Tu vas te prendre un coup de pioche. Non, c'est bon. Ouh. Ouh. Non, mais... Aidez-moi, s'il vous plaît. J'en peux plus. J'en peux plus. Il y a un lit là. Voilà, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as glissé, mec. Eh, mais attends, ils sont tous les deux là. Va te coucher, s'il te plaît. Va te coucher. Va te coucher. Il y a un lit là. Va te coucher. 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 Tu vas te prendre un coup de poing dans la tronche. Va te coucher. Faut pas taper les gens, c'est pas bien. Mais va te coucher quand même. Allez, va te coucher. Va te coucher. Ah oui, je vais littéralement repartir en dépression. Hein. Ok. Là, en théorie, si je dors, ils vont pop au milieu. Hein. J'espère. S'ils pop pas au milieu, eh bien, on va les laisser, puis on ira farmer de la netherite, n'est-ce pas? Dis-moi tout. Ché. Ché. Bon. On va chercher de la glace pour remettre l'eau. Oh, quelle histoire. Quelle histoire juste pour des PNJ quand même. Hein. Bon, par contre, ils s'en sont pris plein la tronche, donc ils m'aiment plus maintenant. Peu importe. Allez, vole. Oh, please. Mais vole. Voilà. Ok. Alors, tu sais quoi? On va même pas prendre de risque et directement y aller par là. Est-ce qu'ils ont déjà aimé un jour? Mais oui, mais oui. Regarde ça, ils sont en train de jeter des patates. Plutôt que de jeter des patates, faites des petits là.
Alors Yas Japon, on va sûrement farmer de la netherite aujourd'hui hein. Donc je vais utiliser la technique que tout le monde me disait, qui est soi-disant la meilleure technique, et qui pour le coup je les crois, c'est la technique des lits dans le nether. Couche 16, tu utilises des lits. Alors ça fout du feu partout, c'est chiant. Mais avec une potion de résistance au feu, tu devrais être tranquille. Et vu que la netherite de base ne brûle pas, ben, on est très bien. Alors je vais laisser les slabs ici. D'accord. On va remettre une source d'eau là et une source d'eau là. Je crois que c'était ici qu'il y avait mes sources d'eau. Hein. Ouais, c'était ici qu'il y avait mes sources d'eau. Ok. Oh, baby. Oh, baby. Oh, yeah. En voilà un petit. Si tu savais ce qui t'attend, toi, tu serais pas content de glisser sur l'eau, là. Hein. Oh, God. Oh, God. C'était quoi le problème? En fait, le problème qu'il y avait, je pense, qu'en passant d'une version à une autre, les PNJ ici ne repéraient plus leur lit. Parce qu'en fin de compte, en pleine nuit, ils dormaient pas les PNJ. J'ai cassé un lit et ils se sont mis à dormir. Sauf que bah, vu que j'ai cassé un lit et qu'il y avait des slabs, bah, ils ont popé sur les slabs. Et c'était le bordel. Et c'est pour ça qu'on a galéré avec les PNJ. Mais là, d'avoir replacé les lits, ça a fixé le problème apparemment. Donc normalement, on est censé avoir pas mal de petits. En tout cas, je l'espère. Villageois de mort. Il est en dessous le petit. J'arrive. Bouge pas. Voilà. Ah, le petit va finir comme tous ses copains, là, comme tous ses camarades, enfermés. Bonjour, quelle surprise, un live le dimanche. Bonjour à toi, Ritek. Effectivement, ouais, c'est plutôt surprise. Je m'ennuyais, du coup, je me suis dit, oh, allez, vas-y, je vais streamer. Je pense qu'à mon avis, les prochains week-ends, ce sera la même. Hein. On verra, mais je pense que ce sera la même. Très bien. Mais écoutez, je vous propose d'aller essayer de chercher de la netherite dans le nether avec la technique des lits. Donc pour la technique des lits, il va nous falloir du bois. Et de la laine. Forcément, pour crafter les lits. Hein. Les lits ne se stackant pas, il faut pas les crafter et les emporter avec soi. Il faut prendre le nécessaire pour les crafter. Un petit stack de bois et de la laine. Voilà, et évidemment on va se prendre une table de craft hein, pour crafter tout ça. On va prendre la potion de résistance au feu. Je sais pas s'il m'en reste d'ailleurs de ça. Je crois pas qu'il me reste de la résistance au feu hein. Non. Faut en faire. Et j'en ai une là de 3 minutes. Oh, mais c'est pas suffisant. Pourquoi j'en ai de 3 minutes? Ah, c'est des piglins qui ont dû me les échanger, ça. Ok. Du verre, il doit m'en rester là-bas, donc je vais pouvoir faire pas mal de fioles. Ah, si tu te sens bien, c'est qu'on fait bien notre taf de viewer. Exactement. Exactement. J'avouerai qu'en ce moment, streamer, c'est vraiment mon échappatoire. Ça me fait du bien, quoi. Ok. Très bien. Hop. Il va nous falloir, du coup, de la Nether Wart. On va se faire 3 sets de potions, ça devrait être pas mal. Ici, ouf. Ok, et redstone. Nice. Patience. J'ai eu un gros bug visuel. C'est pas grave.
Allez. Je vais reprendre ma petite shulker de potion. Ah bah voilà, Vérolidi, ça veut dire que on est tous gagnants. Et c'est une bonne chose. Wow. Current Song. Je savais même pas qu'elle existait encore, cette commande. Donc du coup, non, c'est pas la musique de Wix et Wax qui passe. Oh la vache, ça date, hein. Ça date. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé de les remettre, ces musiques, un jour. D'ailleurs, je suis même pas sûr que sa musique, elle soit encore écoutable. Ah si, elle est toujours écoutable. Elle est en non répertorié. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté ces musiques, faudrait que je les réécoute. Je les ai toujours sur le PC. Mais du coup, faut que je regarde la commande de Nightbot. J'avais eu l'idée à un moment de faire un stream en mode, je vais dire YOLO, même si c'est pas vraiment le terme. Mais en gros, de faire un stream où je ne sais qu'est-ce qu'on fera dedans. Mais en gros, vous auriez la possibilité d'envoyer des musiques. Enfin, seulement les subs, parce que sinon, tout le monde ferait n'importe quoi. Je pense que c'est bon, hein. Je regarde les commandes. Parce que du coup, faut que je les désactive. Parce que ouais, au niveau de mes musiques, au niveau des playlists que j'ai toujours toutes les musiques de Wix, hein. Avec Nightbot. Command. Normalement, il devrait plus y avoir ce problème là. Ok, on revient là. Du Beat Saber pour te faire bouger. Alors, le problème c'est que je mettrai pas la webcam. Et Beat Saber, il faut avoir un casque de réalité virtuelle, non? Après, oui, on. Comment? S'il y a des gens qui balancent de la musique de merde. Bah j'arrêterai l'expérience, hein. J'ai pas de casque de réalité virtuelle, ça m'intéresse pas. J'ai jamais été attiré par ce truc là. Oh, genre surtout des musiques paillardes ou des... Vu que c'est des vidéos YouTube qu'on doit balancer, bah quelqu'un qui balance une vidéo à la con d'une propagande ou insultant ou homophobe ou des conneries comme ça, ça par contre, c'est non. Mais peut-être faire ça un jour où je me remettrai à faire du lunaire magique. Parce que, comme j'en ai déjà parlé dernièrement, je regardais pas mal... Barbarous King qui fait des vidéos, enfin qui fait des streams sur Lunar Magic où il est en train de créer Grand Pou World 3. Du coup, je m'y suis remis un petit peu, mais pas beaucoup de temps dessus. Non, ça marchera pas avec les points Twitch. Ah, tu sais que Alkazim Barb, avec les problèmes que j'ai eu récemment. Je crois que j'ai vu autant de ces streams que mes yeux sont restés ouverts en fin de compte. Limite, hein. Parce que c'était. Je me levais, je regardais ses streams, il était sur Doom, etc. Doom venait de sortir, donc il était à fond dessus. Je suis resté tellement longtemps sur ses streams. Et en vrai, ça m'a permis de. Penser à autre chose. Très bien. Du coup, maintenant qu'on a tout ça. D'ailleurs, en ce qui concerne la Netherite, actuellement. J'en ai que deux, enfin dans deux anciens débris. Donc il m'en faudrait deux autres juste pour pouvoir avoir un lingot. Ouais, il stream pas mal, hein. Il stream pas mal.
On va s'éloigner. Parce que ce biome avec tous les ghasts, c'est non. Je crois que c'est vers le... Non, c'est par là-bas, je crois que j'avais fait une sortie. Ça va et toi, Rafigoto? Fire! Quelle couche? 19. On est couche 16. Normalement, c'est la couche optimisée pour miner. Donc, en gros, l'idée pour le minage de la netherite, déjà, c'est boire une potion de résistance au feu. C'est crafter un lit. Ah oui, il faut d'abord que je fasse le bois. Bah, écoutez, le bois, on va tout faire. Hein. On va se prendre la tête. Voilà. Et on va faire un lit. Pour l'instant, qu'un seul, c'est suffisant. Merci Anonymous pour les 1000 bits. Merci beaucoup, c'est super gentil. Salut, je viens d'arriver. Quoi de prévu aujourd'hui? Là, on va miner de la netherite avec des lits dans le nether. Donc là, je vais creuser. Ah! Ok. Ok. Bon, ça commence bien. Tu me diras, je me suis protégé, mais j'ai une potion de résistance au feu, donc bon. C'est bon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste creuser les deux blocs au-dessus. Bon, les trois, hein, peu importe. On se met là. Ou alors, non, je crois que c'était ça. Fallait le poser là, le lit. Et on met juste un bloc devant. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Pour creuser. Pas mal, hein. Et du coup, si on veut creuser un peu plus... Faut remettre un lit, hein. Crafter 3. On repose un bloc là. On remet de la... un bloc ici parce que ça nous empêche d'avoir le full explosion dans la tête. Et voilà. Là, on a fait du gros dégât. Mais du coup, gros truc chiant avec les lits, c'est que ça fout de la... ça fout du feu partout. Donc tu vois pas grand chose. Juste reboucher les sources de lave par contre. Je suis désolé, hein, c'est un tic, il faut que j'enlève tout ça. Ok, et du coup, on vient d'où nous? Je crois qu'on vient de là, non? On vient de là. Donc ouais, on a littéralement détruit le chemin. Hein. Donc il faudrait qu'on soit un petit peu plus opti au niveau de la façon dont on pose nos lits. Parce que j'aimerais qu'on garde un chemin. Un chemin clean en fin de compte au milieu. Pour qu'on puisse creuser en fin de compte. Donc là si on veut refaire un chemin clean, il faudrait qu'on se déplace. De combien de blocs? 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Cinq blocs ça me semble pas mal. Donc le chemin 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup 1, 2, 3. On va remettre le lit. Bon, y a rien pour l'instant, hein. Y'a rien pour l'instant. C'est ça, relou, c'était le précurseur. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Ah si, il y en a un là-bas. Bah, très bien, on en a déjà chopé un. Comment j'ai fait pour pas le voir? Ok, bah super, on en a déjà un. Ça, c'est beau. On n'a pas un autre collé? Non. Quartz, tu peux le récupérer aussi, hein. Ok, du coup, là, on va s'éloigner un peu plus, hein. On va se mettre à peu près là. Quoique. Le radius de l'explosion, ça fait combien? 1, 2... Je pense qu'on va compter 5 aussi, hein.
1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça sera le milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on pose le lit. Là, j'en ai plus. J'ai encore combien de temps? 3 minutes, ça va. Moi, c'est vraiment le coup de la lave, là. Ça, c'est vraiment un truc qui m'agace. Les poches de lave. C'est vraiment une... super chiant. Ça me l'a même pas enlevé. Ah, elle est où ta couche de lave là-dessus, là? Elle est là? Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Ah, bah y en a un là-bas. Regardez-moi toute cette lave, toutes ces flammes. On est en enfer. Donc voilà, ça c'est la technique la plus efficace pour choper de l'ancien débris, donc de la netherite. Ok, c'est parce que là il y a carrément une source de lave. Ok. Donc là, c'est pour ça que là on s'embête. Ok, c'est parce qu'il y a vraiment pas mal de lave ici. Je suis tombé dans la lave. Il me reste combien de temps? 2 minutes, ça va. Tu vois absolument rien dans la lave. Ce qu'il y a de marrant, c'est que ça t'active les élytras aussi. Ouais, c'est comme le psy, ouais. Allez, virez-moi toute cette lave, s'il vous plaît. Je crois bien qu'il y en a deux en plus ici. Yes. Parfait. Il n'y en a pas d'autres, hein. On recheck bien, mais je crois pas qu'il y en ait d'autres, hein. Tu me diras, il y en a peut-être derrière toute cette lave, mais... Bon, on va bêta regarder, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et du coup, on enlève 3 pour mettre un lit. Un bloc. Et boum. Pas l'air d'en avoir là. La TNT, c'est plus facile. Le problème, c'est que la TNT a une explosion moins importante que les lits. Et la TNT, tu dois aller farmer du sable, chose que je n'ai pas forcément en grande quantité. Ou en tout cas, si je l'ai en grande quantité, je préfère le garder pour le concrete, que j'ai besoin en beaucoup plus grande quantité. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera ici le centre, hein. Je pense qu'on est pas mal à compter de 55, hein. Oui, c'était Razeworks. Exact. J'ai vu sa vidéo. On m'avait déjà parlé plusieurs fois que c'était la TNT le mieux pour farmer la netherite. Moi, j'ai farmé en creusant comme un gogol, on va dire. Tout ce que j'ai actuellement sur moi. Et je me suis dit aujourd'hui, tiens, pourquoi pas essayer avec les lits, puisque je l'ai encore jamais fait. Et du coup, ça marche plutôt bien. Il n'y en a pas ici. Mais je me souviens plus exactement. J'arrive plus à parler. Exactement des distances qu'il disait. Iceworks. Il n'y en a pas ici, hein. Nope. Il n'y en a pas. Ok,
4, 5. 1, 2, 3. Les pots. Dernier lit ici. Ah, toute cette lave qui tombe. Très bien, ça veut dire qu'il n'y a rien par ici. Putain, j'ai encore oublié de faire le suggestion bucket. C'est vrai que ça c'est un truc qu'il fallait que je fasse. Vous savez quoi, je vais le faire rapidement. Je vais juste mettre échappe parce que sinon ça va consommer toute ma potion. Alors, comment je pourrais trouver ça? Ah, elle est copyrightée cette image. Je vais taper free. Free, est-ce que je peux faire free? Ouh, celui-ci il a pas mal. Ouh, celui-ci est joli. Ouh, celui-ci est joli. Download PNG for free. Yes, je vais pouvoir vous faire mon suggestion bucket. Totalement copyrighté, totalement copié surtout. De Barbarous King. Je vais foutre ça dans mon dossier live. Voilà, oh pas mal, pas mal, pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode studio. Normalement, en mode studio, vous n'êtes pas censé voir les changements que je vais apporter. Donc, j'espère pas. À mon avis, vous allez voir les changements. Si je fais plus et que je fais texte. Normalement, voilà, c'est normalement. Et que je tape ça. Ah, vous le voyez pas. Ok, très bien. Donc il faut que je sélectionne la police d'écriture. La même que celle que j'utilise d'habitude. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ah, je pourrais même faire un truc encore plus sympa. Hop. On va taper ici en majuscule. On va le mettre au milieu. Voilà. Ici, suggestion. Super. C'est plutôt pas mal. On va lui mettre une couleur. Alors, je suis désolé, vous voyez rien. Ne vous inquiétez pas. Je meuble, je parle en même temps. Comme ça, vous allez voir un truc fabuleux arriver. Ça va être super. Mais comme ça, je pourrais répondre. Si j'ai des suggestions, je vais vous demander de les mettre à cet endroit-là, exactement. Et ça va être chouette. On va mettre un petit dégradé, en vert, puisque c'est sympa le vert. Avec une fonte color en jaune, tiens, jaune et vert. Ah, pas mal. C'est vraiment un petit peu criard, mais... Ah, c'est... Ouais, je vais peut-être réduire. Parce que là, ça pique un peu les yeux quand même. Hein. Ouais, là, c'est mieux. Ok. Donc ici, suggestion. Maintenant, il faut que j'insère ma petite image. Ouais. Nice. Si je mets mon image ici. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ok. Alors, malheureusement, ce petit bucket, je pourrais pas le mettre quand j'aurais repris la webcam. Mais vu que pour le moment, je n'ai pas la webcam, je vous présente... mon saut à suggestion. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les mettre ici. On est pas mal et du coup on part par là-bas. 2, 3, 4, 5, ok, 1, 2, 3,
faut qu'on se refasse des lits. Bah quoi, c'est un seau de suggestions. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les mettre dans le seau. Y a pas de netherite, d'ancien débris. On va remettre un lit. Alors oui, d'ailleurs, attendez-vous à ce que vous retrouviez. Oh là là. Attendez-vous à revoir. Pardon, je vais arriver à parler français. Hein. Attendez-vous à revoir ce type de bucket sur les streams très copiés de Monsieur Gamou. Je pense que vous le retrouverez également là-bas. Je peux me tromper. Ça va couler de la lave là-bas. Hein. Y a pas d'ancien débris ici. On va quand même remettre, mais à mon avis, il va pleuvoir de la lave dans quelques instants. Oh, il y en a un là. Vite! Allons le chercher. Alors, j'ai pas peur que ça tombe dans la lave parce que normalement. C'est immunisé. Normalement. Il est où? J'en ai récupéré que 3 là. Il est où mon autre? Je suis en train de remonter à la surface. Ouais, je remonte à la surface. Ah, c'est bon, j'ai récupéré mon quatrième. Il est parti flotter, mais ouais, totalement. Ouais. Bravo, on redescend. Ce qui pourrait être vachement cool avec la Nether Update, c'est qu'on puisse avoir un enchantement qui nous permet de voir sous la lave. Alors c'est pas très RP de pouvoir voir sous la lave, parce que autant voir sous l'eau, bon, ça va, t'ouvres les yeux quand t'es à la piscine, même si ça te brûle à cause des produits chimiques, tu peux voir sous l'eau. Mais bon, ouvrir les yeux sous la lave, je suis pas sûr que ce soit bon pour les globes oculaires. Hein. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre les lits ici. On ne manque pas d'oxygène sous la lave. Ah, il y a des chances. Bon, après, tu me diras sous l'eau aussi. Hein. Ouf. J'en vois pas pour l'instant. C'est fun en fin de compte de miner comme ça. Il n'y a rien. Oh, please. Qu'est-ce que c'est chiant aussi, par contre. Quand t'es dans la lave et que t'essaies de sauter, ça te déclenche tes élytras instantanément. Bon, je pense que vous avez compris le délire du suggestion bucket. Hein. Et maintenant que je l'ai installé sur ma piste, je vais pouvoir le refaire au propre. Vous le refaire mieux que ça. Juste avec un bouton, je pourrais l'ajouter et l'afficher. Nope. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres là. Si j'en loupe un à un moment, je vais tellement me faire insulter dans le chat, ça va être terrible. Alors Jason, je pense que faudrait plus faire un bain d'acide qu'un bain de lave.
4, 5, donc là 1, 2, 3. Ok. On va profiter pour virer un petit peu la Netherrack qu'on a parce que j'en ai pas besoin d'autant. Boum. Vas-y, boum. Boum. Évidemment, je tombe dans la lave. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Il y en a un là. Et il y en avait qu'un. Ça, c'est triste. Bon, même si on en a trouvé un pas loin, on tente quand même le deuxième lit, hein. Ok, potion de résistance au feu. Parti. Ah, voilà, on a bien fait. Pourquoi pas mettre de lit au fond du trou pour péter plus de blocs? Voilà pourquoi. Est-ce que j'en vois d'autres? Non. Mange un bouffe. Non, il n'y en a pas d'autres par ici. Hein. Ok, on va pouvoir aller de l'autre côté. 7 mine de rien, hein. C'est pas mal. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kaboom! Ah, mon nouveau joujou, je vais mieux le faire en fin de compte. Parce que pour le moment, il est pas si bien que ça. Il a été fait à l'arrache, donc il faut que je lui donne un petit peu plus d'attention pour qu'il soit bien. Et ici, il y a rien. Ok, on continue d'avancer. Hein. Tiens, tu vois, ça me fait des beaux couloirs. Tu me diras, dans ces couloirs-là, il y a peut-être des anciens débris aussi dans ces murs-là. Hein, tu me diras. Hein. C'est une possibilité. Il y a tellement de flammes que ça lag quand je donne des coups de pioche. Peut-être aller moins loin que 5 blocs du coup. Sept, huit, neuf. On va dire là. Bonjour. Ok. On va dire ici le prochain lit, c'est-à-dire que là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, on est à 6. On va essayer de les rapprocher un peu plus. Bah, mon chemin est toujours bien. Ok. C'est plus gassant de chercher des anciens débris ou du Valyrium. Alors le Valyrium est 1000 fois plus chiant à chercher. Raté. L'ancien débris, comme tu peux voir, j'en ai déjà 7. Quand même plus chouette, hein, à farmer. Je ne vois pas d'anciens débris. Je vois que dalle. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 6. Le nouveau waypoint, je pourrais l'essayer après. Mais normalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour avoir un netherite. On a compris. Alors du coup, il y en a ou pas? Mais avec toute la lave qui tombe, je vois pas grand chose, mais je pense qu'il y en a pas.
Ok, donc là on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a pas mal qui ont passé leur anniversaire pendant le confinement, malheureusement. Le savais-tu, le chat repousse les fantômes? Yes! Attends, c'est les chats qui repoussent les fantômes? Je sais que ça repousse les creepers, le fantôme, j'avais oublié ça. Je sais qu'il y a un truc qui permet de repousser les fantômes, et ça devait être les chats. Hein. Parce que je vois mal les chiens repousser les fantômes, donc ouais, ça doit être les chats. J'ai bien compté ou j'ai compté comme un caca? 3, 4, 5, 6. Attends, je sais pas compter en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je suis allé trop loin en fait. Kaboom! Netherite, 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 Netherite. J'aime bien, je dis Netherite, mais c'est de l'ancien débris, hein. Rien à voir. Ah, le confinement, ça va rester dans la mémoire de beaucoup de personnes. Hein. Alors, 3, 4, 5, 6. Un petit deuxième là, allez. Ah bah y'en a pas deux. Du coup y'en a pas d'autres. Non, on va pouvoir remettre un lit. Et bah nope. D'ailleurs, j'ai pu voir qu'avec toutes les dernières snapshots qui sont sorties, il y a de plus en plus de défis qui sortent en même temps. Dernièrement, bah, le défi qu'il y a eu, c'était défi que j'ai vu chez Auré. Là, c'était pour battre le dragon avec la snapshot infinie. Mais forcément, dès qu'il y a eu la netherite qui est sortie, le défi c'était de faire ces outils en netherite rapidement. Hop, on va pas mal là. Salut Driver Partout Craft, j'espère que tu vas bien. Hop là. Y'a pas. Et y'a pas. Ah si, y'a là. Ça doit être possible d'ailleurs via une commande chat de faire afficher quelque chose à l'écran. Genre, quand t'as quelqu'un qui veut faire une suggestion, paf, il y a un modo qui balance la commande suggestion, et là, paf, ça s'affiche. T'imagines ça? Ce serait trop bien. Je suis sûr que ça existe parce que t'as déjà des commandes qui te permettent d'avoir du son. Tu dois avoir la possibilité de faire ça. Mais comment, je sais pas. Ok. 3, 4, 5, 6. Bon. Les biomes delta sont horribles pour cette technique de minage.
car j'ai été obligé de contourner parce que le basalte est trop résistant. Il y a ça, puis il y a aussi le problème que dans le biome Delta, pour l'instant, tu n'as aucune netherite qui... Enfin, t'as aucun ancien débris qui spawn dedans. Pour le moment. Donc ça aide pas à trouver. Oh la vache. Et on continue notre chemin. Par contre, je n'ai plus de potions. Il faut que je récupère. On va sauvegarder les 9. Hein. Tu me diras, si ça tombe dans la lave, ça crève pas. Tu mets un gobelet des bits au-dessus de la poubelle. Soit. Ah tiens, je viens de voir un truc dans le chat. Allez, bim. Ok. On va voir la potion. On a combien? Un seul? On en a qu'un seul, ok. Et c'est tout, hein? Oui, c'est tout. On est à 3, 4, 5, 6. Ok. Ici, il n'y a pas grand chose pour l'instant. On va refaire péter un lit. C'est le Manu. Il y en a pas en bas, il y en a pas sur les côtés. Donc là, pour le moment, pas d'autres anciens débris. On en a quand même récupéré 10 au total, plus les deux qu'on a à la maison, ça nous en fait 12. Ça nous fait 3 lingots actuellement de netherite qu'on peut se faire. Comment s'est passée ma journée? Bah ma journée n'est pas terminée. Mais ma journée a consisté à jouer à Resident Evil 4 pendant un petit moment. Et après je me suis dit tiens je vais lancer un stream. Voilà en gros ma journée. 2, 3, 4, 5. Ce qui me fait plaisir dans tes lives, c'est la musique. Ah, bah merci, c'est gentil. Ouf, pile poil ici, tiens. Ça, c'est beau, ça. Nice. On va refaire péter, on sait jamais. Tu pourrais utiliser des cristaux de laine pour faire une plus grosse explosion que les lits. C'est vrai. Après, ce que j'aurais pu faire, et ça aurait été plus malin de ma part, j'aurais pu faire une ferme à creepers chargés et déplacer les creepers sur des minecarts et ensuite les faire exploser là où je veux. Et en plus de ça, ce qui aurait été encore plus malin, c'est de les rassembler avec 3 ou 4 minecarts TNT en même temps. Comme ça, je suis sûr que ça explose.
Merci Jason pour les 100 bits. Puis-je suggérer une suggestion qui suggestionne de suggestionner autant de suggestions que le chat peut s'auto-suggérer? Je te suggère de garder tes bits. Voici une bonne suggestion. Ou alors de t'en servir à meilleur escient. Raté. Cassez-vous les flammes là. J'en vois pas, hein. Je crois que le saut de suggestion n'est pas assez gros. On peut arranger ça si vous voulez. Voilà. Voilà. Vous avez des suggestions? N'hésitez pas. Allez-y, c'est le moment. Faites-vous plaisir. En attendant, je vais boire un coup. Comme ça, je vous laisse suggestionner sur des suggestions. Parfait. Merci à tous pour vos suggestions. Je vais les prendre en considération. Voilà. Ou pas, évidemment. Ok, donc là, il n'y a plus de Netherite, hein. Enfin, Netherite, d'ancien débris, non. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens, un de plus, tiens. Allez hop, c'est gratos. Arrêtez d'écouter les suggestions, ça peut être une idée. Mais de toute façon, il faut que je fasse un petit bouton sur mon stream deck. Comme ça, dès qu'il y a une personne qui me fait une suggestion dans le chat qui n'est pas la bienvenue, dans le style, dans le genre où bah, quand je joue à un jeu ou que je veux découvrir quelque chose, j'aime bien qu'on me laisse découvrir en fin de compte. Et bien j'appuierai sur le bouton et paf, le bucket sortira. J'aurais même pas besoin de dire un seul mot. Ce sera la magie du stream deck. C'est pas des blocs là, ça va pas. Et peut-être qu'on fera une commande suggestion, tiens. Ah, je suis dans les flammes, du coup je vois que dalle. Ok. Il y a de la lave ici. Ah, ouais, il y a de la lave ici. Alors du coup, pour voir s'il y a quelque chose derrière, quéquette, hein. Que dalle. Comment ça peut être gâté là? Ah. Vas-y, monte s'il te plaît là. Voilà. Pas de netherite, hein. Salut The Flash. Ici. Et on refait péter de la TNT. Enfin de la TNT. On fait exploser un lit, quoi. Je brûle, j'ai plus de potion de résistance au feu. Oh là 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 là. Comment tu veux voir à travers ce truc là, quoi?
Les anciens débris ou pas quelque part par là? Tu vois que dalle avec toute cette lave. C'est pour ça que cette technique elle est bien, mais voilà, quand t'arrives sur des cas particuliers comme celui-ci où t'as un rideau de lave, bah tu peux rien faire. Hein. Tu peux rien faire. Oui, il y a sûrement un lac de lave, oui. Il y a de très fortes chances. Allez hop. Que dalle. Ah, les modes suggestions, ça peut le faire aussi parce que j'ai de la place. Pour installer une nouvelle émote. C'est une très bonne idée. Aucun ancien débris. Ok, la lave s'en va ici. Alors, AHL. Voilà. Avec plaisir. Amicalement, évidemment. Allez, le dernier lit ici, et après on va rentrer. On croise les doigts. Je vais tomber dans la lave. Ah! Eh bien, pas d'anciens débris en plus. C'est bien dommage. Bon, bah on aura fait quand même pas mal de trous, hein. Regardez ça. Ça va jusqu'au bout, là-bas. Magnifique. Une belle quarry, elle marche. What? Ça va pas bien toi? Ok, on vient de là. Hein. Alors, est-ce qu'il est capable de monter ici? Non, t'es pas capable de monter parce que t'as un Tolvec. Ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Merci Tetardos pour ton 14e mois d'abonnement Twitch Prime. Merci beaucoup à toi. Qu'à rentrer. Si je me souviens du chemin. Par là-bas. Je crois. Je suis perdu. À l'aide. Où est-ce que je vais? C'est pas là-bas. Là-bas. C'est là-bas. C'est par ici. Ou pas, par là-bas.
Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais trouver mon chemin. Il est là mon chemin. Voilà, rebouché. C'est bon, vous inquiétez pas, j'ai trouvé. Ah oui, il y a des nouveaux mobs en 1.16 qui sont dans la lave maintenant. C'était pas des pinglings, là c'était des striders. Ah oui, tiens. Ah! C'est ici que j'avais creusé un petit peu et que j'avais trouvé du de la netherite. De la netherite. L'ancien débris. Pas grand chose, hein, mais j'en avais trouvé un peu quand même. Il est où mon trou? Il est là. Par là-bas. Regardez les MP quand j'aurai le temps. J'ai le temps là. Alors. C'est une très belle image. C'est pas mal. Monsieur Monsieur Basic Vegeta, j'approuve ce message. Ouais, c'est la dernière snapshot qui est sortie. Actuellement, nous sommes sur la 20W15A. Et salut The Big Boss, on était parti farmer des anciens débris, on en a récupéré un petit peu. Du coup, on va faire de la netherite. Merci Blocranel pour ton 13e mois d'abonnement. Salut à toi et merci beaucoup. Alors, quartz, voilà, netherrack, voilà, le bois, oh mais il n'y en avait plus ici, voilà, et un jour, vous inquiétez pas, un jour on se servira correctement de la salle des coffres, mais pour l'instant c'est vrai que on a encore un peu de boulot là-dessus, hein. Donc voilà, on avait deux autres anciens débris ici, plus les 9 qu'on avait là, donc on en a 13. On va évidemment pouvoir en garder un là-dedans et en cuire 12. Le zéro ne se prononce pas, c'est Belcranel. Belcranel ? Est-ce que ceci est vrai ou est-ce que ceci est pur mensonge ? Je sais pas du tout si ça va plus vite dans un Blast Furnace. J'avoue que je m'en sers pas du tout du Blast Furnace pour l'instant. C'est le héros dans Danmachi. Ah, je connais pas du tout. Alors normalement, Cytorax, j'essaie d'avoir tous les blocs du jeu, ouais. Comme ça, dès que j'envoie des items dans le système, ça se strie. Donc on a les derniers items qui sont sortis là. On a le chisel nether brick, on a le craquel le nether brick. Quartz, je l'ai pas encore fait. Et là-bas, on a tous les blocs de blackstone qu'on a pu farmer lors d'un précédent stream. Donc l'escalier, les murs, les slabs, les polysheds et les briques plus craquelés. C'est le truc hyper cool avec les salles de coffre auto, c'est qu'elles sont opérationnelles et terminées quand on a fini le jeu et qu'on arrête de charger la map. Et qu'on s'apprête à changer de map. C'est un peu ça. What? C'est quoi toute cette XP qu'il me donne? Ma foi. Ah, il me faut plus d'or. Netherite ingot. J'en ai 3.
C'est pas mal. Avec 3. Et donc du coup, je crois que c'était de la stone brick qu'il fallait qu'on fasse ça. Je sais même plus. On dira, je peux aller là et faire ça. Et voir le craft. Il y a trop de pages de craft. Ouais, c'était du chiselet stone brick. Ok. Load stone. Donc le load stone. Si on en pose un là, par exemple. Voilà, juste ici. Et qu'on prend une boussole. Je vais mettre une torche d'ailleurs. Hop. Et coucou, Yasrauma. J'espère que je l'ai bien prononcé. Boussole. Mes roquettes. Actuellement, la boussole indique le spawn chunk. Donc, la zone où j'ai commencé à creuser. Si je clique là, boum. Maintenant, il indique ce bloc-là. Et ça, c'est pas mal. Donc, si un jour je suis paumé, je peux retrouver ma base avec ça. Non, la boussole n'indique pas le dernier lit. Elle indique vraiment le spawn. Si je prends par exemple de la redstone et que je te refais ça. Je crois que c'est une redstone. Hein. Alors je crois que c'est bugué. Parce que la boussole sur laquelle j'ai pas cliqué, il m'indique quand même le même chemin. Quoique, oh là, c'est totalement bugué. Ah non. Ah ok. Si, c'est quand même bugué dans l'inventaire. Mais en gros, quand je le tiens, lui, il m'indique bien cet endroit-là. Mais lui, quand je le tiens, il m'indique l'autre endroit. Ok. Donc en gros, si je dors dans un lit. Voilà. Spawn point. Et que je pointe là, là il pointe pas mon lit. Hein. Il pointe vraiment vers le spawn. Ça coûte cher pour le peu d'utilité quand même. Ah ça je suis d'accord, ça coûte extrêmement cher pour ce que c'est. Mais bon, j'avais envie d'en avoir un donc je l'ai maintenant, je suis content. Du coup je vais pouvoir ranger ça ici et plus jamais m'en servir. Si un jour je m'en servirais si je pars très loin et que je suis perdu. Mais bon, on a toujours les coordonnées pour se repérer. Mais pour les gens qui jouent sans coordonnées, parce qu'il y en a qui jouent sans coordonnées, c'est pratique. Et du coup, il nous reste deux netherite ingots. Qu'on ne va rien faire avec. Parce que j'ai déjà tout mon stuff en netherite, donc bon. Non, il me manque la houe. La houe, je l'ai pas encore en netherite. Mais la houe, je la récupérerai avec les piglings. Alors monsieur Dôme Suré, c'est pas le même bloc. Le bloc que tu me parles, c'est ce bloc... il est où? C'est celui-ci, c'est le respawn encore. C'est ce bloc-là qu'il faut faire attention. Pas celui avec la boussole. La poche. Ou la pioche. Tu fais pas ta pioche? Elles sont toutes les deux là, mes pioches en netherite. C'est juste qu'elles sont pas réparées. Enfin, j'ai la fortune ici et j'ai la silk touch là. Et vu que la silk touch a commencé à perdre sa dura, j'ai pris celle-ci. Parce que j'en ai plein des pioches silk touch ici. Mais sinon, je l'ai déjà fait. Et on remet ça ici. Du coup, tiens, on va s'amuser avec les piglings justement. J'ai envie de faire quelques trades avec eux. Là où justement, on va essayer de faire des trades pour voir si on peut essayer de la choper. Être sympa de l'avoir. Ouais, là où c'est cool qu'on ait autant d'utilité maintenant avec. Hein. Alors, déjà. Non. Ça, c'est les traits que j'avais fait. Du sable. Faudrait vraiment que je range tout ça. Hein. Ça, c'est vide. Je récupère.
On va prendre tout l'or qu'on a. Et on va faire quelques trades. Alors par contre, ce que j'aimerais... On va garder le plastron. Parce qu'on a des plastrons là-bas. On va les garder pour faire des trades avec eux. Ok. Retournons dans le nether. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, hein, c'était pas ici. C'était où déjà? Là? C'était là. Voilà. L'item ressort pour fermer et ouvrir la porte. C'est classe, hein. Moi j'aime bien. Dernière mur en or. Ouais, j'ai pris mon plastron. J'ai pris le plastron ici pour le remplacer là. Par là-bas. C'est quand le prochain live? Demain matin, on sera sur du, je pense, Hollow Knight, de 9h à midi. Et demain après-midi, ce sera sur du RAD avec Edo et Auré. Aïe, ça pique. Donc on va se mettre dans un... Je crois que c'était par là-bas que j'en avais chopé un. Aïe. Tu veux te battre, Aïe. Faut que j'arrête de faire mon malin parce qu'il va m'en mettre une. Voilà, c'est bon. Dégage le nain là. Merci. Alors ils sont où les... Ils sont là. J'ai de l'or pour vous les gars. Vous voulez pas un peu d'or? Venez avec moi. Tu restes... Ok. Alors tu me donnes quoi? Mais il m'a sûrement donné du cuir. Vous voulez pas de l'or vous? Attends, je vais t'en donner. J'aimerais les coincer en fin de compte. Pour pouvoir faire plus de trades rapidement avec eux. Tiens, reste ici toi. Il y a de l'or là les gars. Ah là t'as de l'or, t'es content. Tiens là-bas. Allez-y. C'est gratuit. Voilà. Et là on va pouvoir y aller là. On va pouvoir faire des trades comme jamais. Il me donne des potions, il me donne de tout là. Je vais tout fermer. Voilà, nice. Par contre ils sont en train de se tirer dessus ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Merci Rick pour ton 6e mois d'abonnement Twitch Prime. Merci à toi. Donc, la paire d'élytra, pas besoin. Et alors, ils m'ont donné du cuir, ils m'ont donné ça. Ça, je l'ai droppé. Ils m'ont donné 2 potions. Quoique, c'est peut-être celle que j'avais sur moi, celle-ci. Mais bref, ils m'ont donné de Magma Cream, ils m'ont donné de Fire Charge. Allez-y, donnez-moi des trucs. Oh, 47 Soul Sand. Rien que ça. Avec du quartz. Ah, on a récupéré du crayon obsidienne et du gravier. C'est pas mal, c'est pas mal. Un peu plus de crayon obsidienne, c'est cool. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un hoglin pas loin. Leur donner une potion. Et merci Anonymous Fools Inc. Pour ton 2e mois d'abonnement Twitch Prime, merci à toi. C'est utile de trade avec eux ou c'est pour test? Non, c'est utile de trade avec eux parce qu'en fin de compte, ils te donnent du Cryo Obsidian, c'est le seul moyen de l'avoir. Et ils peuvent te donner aussi un enchantement que tu ne peux pas avoir autrement qu'avec eux. Ils m'ont donné des strings. Des underperles aussi. Du gravier. Hop. Et tu peux avoir une nether. Une netherite ou. Une ou en netherite. Tu peux avoir de la glowstone aussi. C'est là-bas alors, hein, c'est là-bas. Calmez-vous. Donc on va essayer de trade jusqu'à ce qu'on ait la netherite ou. Pour être chouette. Tiens voilà.
Il m'a donné des boots sans fer avec Soul Speed 2. Donc c'est l'enchantement qu'on peut pas avoir autrement qu'avec les piglins. Hein. L'obsidienne, tu peux t'en servir comme déco. Mais tu t'en sers pour faire un bloc qui te permet de respawn dans le nether si tu meurs. Allez, donnez-moi plus. Et en gros, l'idée qu'il faudrait qu'on fasse dans ce monde-là, et c'était le sujet de l'épisode que j'allais faire, c'était de faire une ferme à or pour pouvoir avoir plein de gold ingots, capturer des piglings, les stocker et trade avec eux non-stop en fin de compte. Ou en tout cas, avoir un système qui leur drop de l'or pour pouvoir trade avec eux. Et pour l'instant, on l'a pas fait. C'est 4 et 16. Ouais, c'est bizarre. Hein. Peut-être qu'il y en a 3 qui m'en ont donné beaucoup. Tu me diras, c'est 16-32 et 16-48. Ouais, peut-être que j'ai eu de la chance sur 3. Je sais pas. Allez. Soul Speed 3, je crois que c'est le max. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir le bouquin Soul Speed. Plutôt que de les avoir sur les boots. Oui, Amine, j'ai vu ce bug-là, mais il a été corrigé. Il a été corrigé parce que c'était trop pété. Ah ouais, Minecraft Vanilla 1.4.2, ça remonte à très très loin. Effectivement, il y a énormément de choses qui ont changé. Hein. Les pigmen aujourd'hui que tu as connus n'existent plus. Hein. C'est cool, là on a plein de crayons obsidiennes. On a 10. Nice. Ah, il me semble que tu peux l'avoir quand même en bouquin. Hein. Après, ça a peut-être changé depuis et j'ai pas vu les infos, mais. Dernières infos que j'ai vues, ça date d'il y a quelques snapshots et justement tu pouvais l'avoir en bouquin. Secret Obsidian, ça c'est classe. Et c'est pratique d'en avoir 4 directement dans notre trou là. Comme ça on peut trade beaucoup plus rapidement. C'était un peu vite, du coup j'ai peur de m'y remettre. Franchement, fais-toi plaisir, hein, parce qu'il y a tellement de nouveautés que tu peux te faire plaisir à découvrir les nouveautés. Et si je peux te conseiller, c'est de regarder bah, d'autres joueurs en fin de compte. Leur let's play ou les vidéos snapshot pour voir les nouveautés. On peut les faire se reproduire ces PNJ là. Non. Non, tu peux pas. Par contre, ils spawnent naturellement. Parce qu'en fin de compte, c'est la version non zombifiée des pigmen, ceux-là. Qui ont changé maintenant, qui s'appellent piglins. Pas encore une potion. Tu as exactement 1,182% de chance d'avoir le bouquin. Waouh. Bon, on verra si j'ai de la chance. En tout cas, en attendant, bah ma shulker est pleine. On peut toujours prendre une nouvelle shulker. Calmez-vous s'il vous plaît. What? What? Ah, j'ai ouvert la... J'ai oublié qu'il faut pas ouvrir les under chests ni les shulkers. Quoique la shulker, depuis tout à l'heure, je l'ouvrais et j'avais pas de problème. Hein. Donc c'est l'under chest, quand je l'ai ouvert, ils se sont vénères contre moi. J'avais oublié ça. Et oui. Ces mobs-là, en fin de compte, n'aiment pas quand vous fouillez dans les chests. Et l'under chest, c'est un chest. Donc ils ont pas aimé la blague et du coup ils m'ont foutu une raclée. Bon, mine de rien, on a récupéré pas mal de choses. Hein. On peut leur donner les armures qu'on loot sur les mobs, oui. Alors vous êtes énervé ou ça va? Ah bah tiens.
Il y a un pigmen. Donc voilà, les pigmen maintenant ils ressemblent à ça. Hé, mec, tiens, j'ai de l'or. Tu veux de l'or? Ah, tiens là-bas. Très bien. Tu vas me dropper quoi? La Soul Sand. Ok, bouge pas, je vais essayer de trouver des potes. Ah, c'est con, on était bien avec les 4 là. Hein. Je suis pas sûr qu'on en retrouve d'autres rapidement et facilement ici. Hein. Tu es gros? Ok. On est bien là. Hein. Tiens. On va être raide qu'avec toi, monsieur. Hein. Ça va être un peu plus long. Tu veux de l'esclavage de cochon. Ah, le but plus tard, c'est exactement de faire ça. Je pense qu'on va terminer les 8 lingots et puis on va rentrer. Hein, parce que sinon, on va prendre trop de temps. C'était con, on était bien avec les 4 là. Mais j'ai complètement oublié leur système. Quand tout 20 chests, ça les énerve. Dommage. Alors mon armure en or, elle me sert à être copain-copain avec eux. Si j'ai pas d'armure en or, de toute façon tu verras, je vais l'enlever après pour montrer. Mais en gros, si j'enlève mon armure en or, alors que ce soit des bottes, un pantalon, un chestplate ou un casque, ils sont plus amis avec moi, ils sont énervés. Pas mal d'enderpearl, même si pour le coup j'en ai pas besoin. Et ça lui fait de l'ouf. Allez, encore deux petits lingots. Mais je leur piquais pas des trucs, c'était mon coffre. Je venais de le poser. C'est quand même incroyable. Ok, c'est le dernier. Donc en gros, là il est copain avec moi, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, si j'enlève mon armure, là il est énervé. Ah, il m'a direct attaqué. Hein. Alors est-ce que je vais retrouver mon chez-moi? Ça doit être par là-bas mon chez-moi. Bon, c'est juste là. Parfait. Oh, impeccable. Peut-être qu'on en aura dans les bastions, un peu comme on en a dans les forteresses de l'End. Mais c'est vrai que pour le coup, le fait que les piglings s'énervent quand tu ouvres un Ender Chest, c'est un peu stupide. Parce que l'Ender Chest, c'est considéré comme une... en fin de compte, comme un chest personnel. En fin de compte, c'est ton chest. Donc ils sont censés savoir que c'est pas le tien. Encore, tu poses un chest, tu l'ouvres et qu'il s'énerve. Ouais, ouais, ok. Mais là, pour le coup, ouais. C'est dommage. Ok, termine de stocker ce que tu peux stocker là-dedans. Et du coup, ça et ça. Donc, on a récupéré 19 Crane Obsidian, c'est pas mal. On a 23 maintenant. Et du coup, le Crane Obsidian permet de crafter le Respawn encore. Pour ceux qui ne savent pas. Je sais pas si, d'ailleurs, si je prends du Crane Obsidian et que je me mets là. Non, on peut pas le voir. Respawn encore, il est là, ça se craft comme ça. 6 crane obsidienne et de la glowstone. Pour pouvoir avoir ça. Donc ouais, c'est sympa. Ok. Il y a les nouveaux blocs blackstone en or qui les énervent quand tu les mines. Ah, je savais pas que ça les énervait quand je les minais. Ça, je savais pas. Parce que pour le moment, sur cette snapshot, ils sont pas encore intégrés dans le décor. Les potions. Les boules. Oh, ça c'est les têtes de mob. D'ailleurs il me manque quoi comme tête de mob? J'ai toutes les têtes de mob, ouais. Ouais, j'ai toutes les têtes de mob. J'ai de quoi me refaire un wither d'ailleurs. Bon du coup messieurs dames, je vais aller refaire un tour au pipi room. Donc je vais vous monter un petit peu le son de la musique.
et je reviens très vite. Et Amine, je t'expliquerai juste après la pause pipi à quoi sert cet encore. A tout de suite. Lift my battered face off this table and come the fuck down. I don't get why we care. We're making circles to a hell, aren't we? Thank all those who came first, 'cause they've no idea what they've got. And so I try but I fail consistently. There's gotta be something I'm missing. So we'll call it a day like that. 'Cause I feel sicker than hell, and I know we ain't done yet. No, we ain't done. Calmez-vous, je suis là, je suis de retour. La vessie vidée, les mains propres, on peut y retourner, let's go. Donc du coup, pour expliquer à quoi sert ce bloc-là, en fin de compte, ce bloc-là te permet de respawner dans le Nether. Donc en gros, si tu lui mets un bloc de glowstone dedans, ici tu as un cadran où tu peux le remplir 4 fois. Et une fois que le cadran il est plein, d'ailleurs je peux vous le montrer dans le Nether, ça pourrait être sympa. Oh, je pourrais même vous le montrer ici d'ailleurs, hein, parce qu'on peut le reminer avec de la... avec Steel Touch. Hop. Mais en gros, je pose ça ici. Donc en gros, si je mets de la glowstone, ça fait ça. Il s'active. Et normalement, il faut faire clic droit dessus pour mettre son point de spawn. Je le ferai pas parce qu'on est dans l'overworld et que dans l'overworld, ça fait badaboom. Parce que dans l'overworld, pour mettre son point de spawn, c'est avec un lit. Et vous l'avez vu, un lit dans le Nether, ça fait boom. Et bien ça, c'est ce qui permet de faire le point de spawn dans le Nether. Et donc forcément, dans l'overworld, ça fait boom. Et dans l'end, ça doit également faire boom. Et en gros, tu peux en mettre 4, de la glowstone. Et si tu meurs, ça t'enlèvera un quart. Et il faudra que tu le réalimentes. Et évidemment, tu peux le miner comme ça. Ça pose pas de problème. Tu perds ta glowstone, mais bon, c'est pas grave. Là, c'était juste pour la démo. Donc tout va bien. Et merci Mac Nico pour ton deuxième mois d'abonnement niveau 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah. Work as attended. D'accord, donc en gros c'est normal si quand on ouvre un Nether Chest ils sont énervés. Bon, c'est un choix assez particulier mais bon. C'est dommage. C'est dommage. Enfin bon. Du coup. Faut qu'on range un peu tout ce qu'on a récupéré là. Soul Speed 3, c'est bien de les avoir eu, mais. Je sais pas si on va s'en servir parce que j'avais déjà un Soul Speed 2. Hop, je vais les remettre là. Voilà. On va vider en tout cas les. On vide ça. On range un petit peu. Ça sera fait. En vrai, ma salle des coffres, faut être bien organisée. Hein. Tout est bien rangé, mais c'est grand.
parce qu'il y a énormément d'items. Et j'ai bien fait en fin de compte de la faire aussi grande parce que je m'attendais vraiment pas à ce que la 1.16 en ajoute autant des blocs. Mais j'ai des blocs noirs ici qu'il faudrait que je remette par là. Il y a quelques blocs par là, enfin il y a quelques coffres ici qu'il faudrait que je foute ailleurs. Il faudrait que je refasse vraiment tout le triage là-dedans. Mais ça risque de me prendre un peu de temps. Nezorak, son rangement, il est là. Glowstone. Glowstone, je crois que j'en avais mis là, ouais. Donc ça, par exemple, je pense que je le foutrai ailleurs. Quartz, pareil. Les morceaux de quartz, plus les blocs de quartz, je les mettrai ensemble. Iron Nuggets. Oh, dis donc, il y en a des messages supprimés. Faire. Ouais, je vais les crafter directement en lingot. Hein. Voilà, même si bon. En soi, ça me servira pas grand chose, j'ai tellement de fer maintenant. Tu ne trouves pas qu'il faut rajouter au grindstone un moyen de récup les enchantements sur livre? Si on a la possibilité de faire ça, ce serait vraiment trop facile et trop pété. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Mais si on fait ça, on va casser énormément de principes du vanilla. Et je trouve que ce serait dommage. Alors Fire Charge, je suis pas sûr de lui avoir donné un stockage à lui. Non. Fire Charge, je suis pas sûr de l'avoir stocké. Et Fire Charge... On va le mettre là. Hein. Pas vraiment d'endroit où les stocker. Quartz, pareil, je lui ai toujours pas fait de place. Ok, on va vider les shulkers, au moins ce sera bien. On pourrait continuer à installer les hoppers et tout le système redstone sur la salle des coffres en attendant. Ça pourrait pas être une mauvaise chose. Ok, fire charge, faut que je les strie là-bas. Quartz ici. Bonsoir, The Down officiel. Bonsoir à toi. Beaucoup de boules. Beaucoup de cuir. Du cochon. Magma Cream. Fire Charge. Parfait, c'est rempli. Une émote pause pipi. Bah ça dépend parce qu'en règle générale, je vais pas forcément très souvent en pause pipi. C'est vrai que là j'ai eu envie d'y aller deux fois parce que j'ai beaucoup bu. Ok. Ouais c'est ça là-dedans en attendant. On va récupérer les shulkers vides ici. Et on va les mettre là les shulkers vides en attendant. Ouais, l'obsidienne, j'en ai eu autant parce que j'ai creusé énormément au spawn. Et au début, quand je creusais au spawn, je transformais toute la lave en obsidienne. Et arrivé un moment, j'en ai eu marre. Je fais ok, c'est bon, maintenant je vais mettre des blocs à la place de la lave. Et tant pis si je récupère pas l'obsidienne. Parce qu'en fin de compte, ça me prenait trop de temps de farmer l'obsidienne en même temps. Et ça me permet de me faire une usine à or de l'overworld. Ouais, le quartz brick, il est vraiment très sympa, hein. Ceux qui ne l'ont pas vu. Le quartz brick. Nouveau bloc qui a été ajouté en 1.16. Très 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 sympa. Hein. Très classieux. Yes. Alors ça c'est tout le Dragon Breath. Oh, il n'est pas transformé lui. Ouais, la cave update, ça va être sympa. Hein.
Et salut Feu Salamander. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Red Terracotta, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut là-dedans. Non, je vais pouvoir le stocker là-dedans. On fait un peu le ménage, hein. Parce que ça commence à être un peu le bordel. Bon, ça reste le bordel là-dedans, hein. Mais on dégage des trucs. Et ici, par contre, je pense que ça va rester là-dedans en attendant. Et là-bas, c'était le sable, hein. Ça, je vais te remettre ici. Voilà. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, je vais aller regarder s'il y a eu des nouveaux PNJ qui ont popé. Eh ouais, regardez. Il y en a quelques-uns, hein. Donc du coup, c'était bien ça. Il fallait bien casser les lits. Et en cassant les lits, on a fixé le problème. Alors là, le seul deal, c'est qu'on a un bébé PNJ ici. Donc si je casse ça, il va se barrer. Ce qui est logique. Moi, ce que je veux, c'est récupérer un PNJ adulte et essayer de trouver les derniers enchantements qu'on n'a pas. Comme ça, on n'en parle plus et c'est terminé une bonne fois pour toutes, ça. Et on aura tous les enchantements. Alors, est-ce que j'ai des rails? Oui, j'ai des rails. J'ai des minecarts? Oui, j'ai des minecarts. Fire! Nice. On va peut-être aller de l'autre côté. Allez! Allez! Ok, super, il a déjà trouvé son métier lui. Je sais pas par contre sur lequel il s'est axé. Il faudrait peut-être que je referme ces accès-là. T'as toujours accès à toi? Apparemment, il y a toujours accès. Impaling 5. C'est un bon enchantement, mais j'en veux pas. Il a peut-être accès aux tables de métier à droite à gauche. Ah, ça par contre, c'est embêtant. Est-ce que si je t'enferme, t'oublies ton métier ou pas? Techniquement, là, il n'y a plus accès, hein, à son métier. Après, peut-être que le temps fait qu'il changera pas de métier. Non, il changera pas de métier là, on est obligé d'attendre. Donc si ça se trouve, en rebouchant ça, c'était bon. Je vais enlever ça. Et on va devoir attendre un tout petit peu, je pense. On va dormir. Merci, monsieur Katikat. Et merci, Samtor, pour ton deuxième mois d'abonnement. Déjà deux petits mois, que de plaisir de suivre notre barbu. Merci à toi, Samtor, c'est très gentil. Tu adores quand je te réponds, Feu Salamander? Eh bien voilà, je te réponds une deuxième fois. Alors, toi, est-ce que tu vas zapper ton métier ou pas? Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je récupère ça. Je te le pose à côté et que je te le recasse. Ouais, faut attendre un petit peu, je pense. Et merci Loot Voa pour ton abonnement Twitch Prime. Et bienvenue. Non, faut attendre encore un peu. Là, je viens à peine de passer la nuit. Mais ça se trouve, il repère une table à travers les slabs. Je sais pas. C'est un petit peu problématique, ça, monsieur. Hein. On va devoir vous virer d'ici. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? On va se faire une chambre. Une chambre où on va attribuer des métiers. Voilà, c'est décidé. On est parti.
qu'il a pas l'air de vouloir bouger de métier. Hein. Mon dieu que j'adore ce bloc. Tellement beau. Est-ce que tu l'appelleras la chambre des métiers? On pourrait l'appeler la chambre des métiers. Et après, moi, je serai l'URSSAF et je passerai récupérer leurs biens. Leur, le plus précieux qu'ils peuvent avoir, en leur laissant que dalle derrière. Voilà comment ça va se passer, messieurs, dames. Ça va se passer comme ça. Vas-y. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des blocs de verre. Voilà. Normalement, dans la chambre où il va aller, il ne pourra plus avoir de métier. Oh, please, vas-y, plus vite, là. Voilà. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Voilà. Là, il est dans une zone totalement confinée, à l'abri de tous les toutes les tables de métier. Donc, si je te pose ça là, et que je le recasse. T'as vraiment décidé de nous embêter, toi. Hein. Je peux pas enlever toutes les tables de métier parce qu'il y en a une tonne qui sont tous attribués à des PNJ. Et je pense que c'était ces tables-là qui posaient problème. Oups. Parce que je l'ai très souvent fait, ça, en fin de compte, avec les PNJ. C'est-à-dire qu'avant, je ramenais un PNJ dans le coin ici, alors qu'il y avait tout ça, déjà d'installer. Il n'avait pas de métier, le PNJ, et du coup, j'arrivais à lui faire oublier son métier et à le repoper. Hein. Mais là, il n'a pas l'air de vouloir coopérer. On va te laisser tranquille alors. Je te repose ça. Voilà. C'est bon. Ouais, juste forcer un petit peu. Alors toi maintenant, dis-moi tout. On veut du sharpness 5, hein. Peut-être mettre de la lumière aussi. Voilà. J'aime bien les ambiances sombres, mais être tout seul avec un PNJ comme ça dans une ambiance sombre, pas trop le délire. Inspiration. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas exactement qu'est-ce que je suis en train de faire, que je vous explique un petit peu. Mon objectif dans cette salle, c'est d'avoir tous les PNJ avec tous les enchantements disponibles du jeu qu'on peut avoir avec les PNJ, évidemment, parce que Soul Speed par exemple, on peut pas l'avoir avec les PNJ, on peut les avoir uniquement avec les Piglins. Et je tombe. Non, c'est bon, je remonte. Et donc en gros, ce que je veux, c'est vraiment avoir des PNJ séparés avec les enchantements. Donc en gros, si lui par exemple, projectile protection, il avait un autre enchantement qui aurait pu être cool, par exemple il aurait pu avoir protection 4 en même temps, bah je l'aurais pas compté. C'est vraiment le premier enchantement qui m'intéresse. Donc lui c'est protection 4. Et bah je suis content de l'avoir et il restera ici. Et je crois que le meilleur exemple c'est avec l'Ure, je crois que j'ai. L'Ure. Non. Punch peut-être. Bref, je sais plus, j'ai un PNJ en fin de compte qui a un enchantement qu'on a déjà. Mais vu que je veux un PNJ vraiment séparé par enchantement, et bien voilà. Et donc en gros dans ce bouquin je note tous les enchantements que j'ai dans le jeu. Et donc il y a 38 enchantements hormis shopping qui arrivera bientôt. Qui n'est pas encore intégré. Hein. Mais tous les autres enchantements je les ai sauf Curse of Vanishing et Sharpness. Curse of Vanishing et Sharpness. Hein. Sharpness 4, vous voyez? Ça c'est triste parce que je veux absolument le Sharpness 5. On pourrait garder le Sharpness 4 en se disant, bah ouais, mais t'achètes deux Sharpness 4, c'est bon,
Tu les réduis à un émeraude, t'en achètes deux, ça te coûte que deux émeraudes, et paf, tu pourrais avoir Sharpness 5. Sauf que je veux absolument le Sharpness 5. Je veux pas le Sharpness 4. Mais j'explique à HL. Et shopping, en tout shopping, si vous voulez, c'est le futur Sharpness de la hache. Parce que la hache, actuellement, on peut lui mettre Sharpness, mais dans une future version de Minecraft, alors laquelle, je ne sais pas, hein. Parce qu'ils font des mises à jour sur le combat update, donc c'est des snapshots spécifiques. Ils ont ajouté l'enchantement shopping qui remplace le sharpness de la hache. Oh, il y avait mending, Tazupta. Il y avait mending, ah. Je l'ai déjà mending. Je crois même que je l'ai deux fois mending en plus. Curse of Binding, c'est lequel qu'on a nous? C'est le Curse of Binding qu'on a, donc ça nous intéresse pas. Ah, deux fois. Ah, Curse of Vanishing, ok. Lui on va le garder. Mais du coup ML, est-ce que tu vas te servir de Curse of Vanishing un jour? Je ne sais pas. Mais vu que mon objectif c'est d'avoir tous les enchantements, eh bien voilà, on l'a. Ah, comme ça, lui, il est bloqué. Et on est bien. Et donc maintenant, lui, on va le mettre à côté d'ici. Ouais, Curse of Mending, on va le mettre juste à côté. Let's go, Coco. Non, Curse of Vanishing, en vrai, je sais vraiment pas à quoi il va me servir. Mais, c'est un PNJ que je voulais avoir, donc on l'a maintenant. 24 émeraudes. Et du coup, il va juste nous manquer Sharpness maintenant. Donc lui, c'est du vert. Ça et pas nous. Curse of Vanishing. J'ai fait une faute ou pas? Non, c'est bon. C'est bon, t'es bon ici. Good, good, good. On va reprendre un PNJ, hein. Bien joué. Je vais peut-être enlever la table de métier là-bas aussi. Oui, on peut changer la couleur de texte sur les panneaux avec du colorant. Quelque chose que je fais pas souvent. De base, ils étaient blancs. Mais j'ai dû recasser tous les panneaux, donc... Voilà, très bien. Vas-y. Donc oui, il a repéré des stations de craft à droite à gauche. Hein. Tiens, elle est là ta station de craft. Bouge pas. Elle est là. Vas-y, saute dessus pour me montrer que c'est à toi. Non, tu veux pas? Voilà, je te l'enlève. C'est bon, il est arrêté. oui, c'est possible de faire une usine à colorant. Il faut trouver un biome Flower Forest pour avoir toutes les fleurs. Et ensuite, les fleurs, tu peux les transformer. Et aujourd'hui, tu as à peu près toutes les fleurs pour avoir tous les colorants. En fait, ça pourrait servir dans un cas une arène de combat où tu mets les mobs avec des équipements différents, mais s'il y en a un qui meurt,
Tu veux pas que d'autres s'équipent avec le stuff de... Ah ouais, c'est pas con ça comme idée. C'est pas con. Bah, par contre, je crois qu'il va faire nuit, c'est pour ça qu'il change pas. Ouais. Joue à Politicraft. Je sais même pas ce que c'est Politicraft. Je suppose que c'est un rapport... Oh non. C'est un rapport avec de la politique. Parce que je suis pas un politique, moi. Tiens, attends, tu vas tourner en rond. Tu veux pas tourner en rond, s'il te plaît? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Voilà. Ok, donc maintenant. D'ailleurs, j'ai même pas vu son truc. Curse of Binding. J'avais pas regardé son enchant. Profession du villageois danseur étoile. C'est ça. Là, je suis en train de faire mes maths en regardant le live. Bah, j'espère que tu travailles bien. C'est plus important de faire ses maths que de regarder un mec jouer à Minecraft. Tu perds ton métier ou ça se passe comment toi? Je vais te le laisser un petit moment ici, comme ça tu as le temps de réfléchir, c'est à toi, voilà. Et maintenant c'est plus à toi. C'est à toi, vas-y, c'est à toi. Ne regarde pas. Je veux pas l'oublier son métier, faut attendre encore un peu. T'es en vacances, nice. Bon, j'espère que tu arrives à t'occuper pendant tes vacances, malgré les problèmes qu'on a en ce moment. Est-ce que tu veux bien oublier ton foutu métier? Eh. T'as un truc là. T'en veux pas? On a rien à faire. Vas-y, saute dessus. Comme ça, je sais que c'est à toi. Non, le confinement, c'est pas des vacances, non. Mais bon, après, t'as toujours les vacances scolaires. Et ils ont du mal à oublier leur métier, ouais. Qu'est-ce que tu me fais, là? En fait, il essaye d'aller sur sa table, je pense. T'as une table derrière, elle est là ta table. Elle est là, elle est là. Elle est derrière ta table. Voilà. Maintenant tu l'as plus ta table, chais. Reste là, t'es bien, voilà. Bon, sharpness 5. Pas de ton chômage partiel. Ah mais moi je lui aurais pas filé de chômage hein. C'était soit ça, soit il partait aux oubliettes hein. Ça c'est terrible parce que quand t'as vraiment un seul enchantement que tu veux absolument avoir, tu vas avoir tous les autres qui sont chiants à avoir mais pas celui que tu veux. Tu vois, c'est un projectile protection 4. Top tier du projectile protection, mais je l'ai déjà quoi. Smite 4, 5, pardon, le top tier du smite, mais je l'ai déjà. Looting 3, 24, c'est pas mal, mais je l'ai déjà. J'ai dit, on va avoir tous les trucs sympas. Looting 3, 19, encore mieux. Ça va être long. Mais c'est la dernière fois que je le fais. C'est le dernier PNJ avec qui je fais ça. Là on a eu un protection 4 pour 16 émeraudes quand même hein. C'était gratos hein. Ah oui je peux regarder ouais. On va retenir. On est à 1617.
On va dire 1600. 1600 parce qu'on va dire que je l'ai déjà fait 17 fois. C'est vraiment pas mal, hein. Dommage que j'en ai pas besoin. Mais shopping, on peut pas l'avoir sur cette version de Minecraft. Pour l'instant. Aïe aïe aïe. C'est un gameplay de qualité. Sharpness 4. C'est le 5 que je veux. Oui, shopping, comme c'est écrit. Peptide. Et salut Zunari, MFZ. Infinity. Bonsoir Snoopix. Ouais, c'est chaud au Maroc si tu sors. Hein. Faire à Paris, à Paris. Oh, ils ont intérêt à être nombreux, hein, parce que à Paris, ils en ont tous rien à faire. Quoi. C'est quand même incroyable. On va pas revenir sur le sujet, mais bon. Il y en a beaucoup qui respectent les consignes de sécurité et de confinement. Mais malheureusement, il y en a encore plus qui ne le respectent pas et qui en ont rien à foutre. Ces gens-là, faudrait les brûler. Et non, Saruna. Tu te trompes. Ah. Ok, il va faire nuit. Donc là, il va pas changer de métier. Donc là, si on regarde... Là, je vais peut-être enlever ça. Pour pouvoir remonter plus facilement après. Donc ouais, là, il va plus changer de métier. Parce qu'en fin de compte, le soleil va se coucher. Je cherche actuellement Sharpness 5, c'est le dernier bouquin qui nous manque dans notre collection de livres. Hormis Shopping. 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 Moi je suis dans une petite ville minière. Kourigba. C'est comme ça que ça se prononce, Kourigba? Non, Kourigba. J'avoue que je suis jamais allé au Maroc de ma vie. J'ai jamais beaucoup voyagé et j'aimerais bien voyager. Oui, je fais mon shopping. Comment tu dis, ML? Shopping. Désolé, j'arrête. Je nargue là pour le moment. Moi, je suis en Normandie, moi. Ah oui, Nana, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux parce que soit ils doivent bosser, ou pour autre X raisons, mais des raisons sérieuses. Moi, les gens que je dénigre qui sortent chez eux, c'est ceux qui veulent juste faire leur footing, ou ceux qui veulent juste se dégourdir les jambes. Non. T'as un chien, oui, c'est normal que tu dois sortir, tu vas pas... Voilà. Et à la rigueur, on pourrait même faire dans l'hardcore en disant non, ton chien, tu le fais chier dans une boîte et tu sors pas. Mais non, tu sors quand même ton chien, un minimum. Mais ceux qui veulent juste faire du footing, bon,
ils peuvent se retenir le temps du confinement, quoi. Comme toutes les personnes qui ont envie de sortir en ce moment. Ouais, ça roule, ouais. C'est le truc. Bah dis donc, c'est long. C'est long. Ok, le soleil va pas tarder à se coucher. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres petits qui arrivent d'ailleurs. On peut dormir. Le confinement en France est intense à ce point. Au Canada, on a encore le droit de sortir, courir, pour se tenir en forme, tant qu'on reste à 4-5 mètres des rares personnes qu'on croise. Normalement, c'est comme ça aussi en France. C'est exactement la même chose. On doit rester chez soi, sauf autorisation, sortir acheter ses besoins nécessaires, donc faire ses courses ou aller travailler, faire son jogging. Je crois qu'il y a d'autres, possibilités de sortir, mais le problème c'est que moi là je regarde dehors chez moi, je mets la tête dehors, il y a une mère de famille qui joue avec ses enfants en bas. Il y a des gens qui sortent et qui se tiennent la main et qui se promènent. C'est le dawa, tout le monde en a rien à faire quoi. Si tu veux jouer avec tes gosses, tu joues chez toi. Oui, il fait beau, et alors? Dehors, ce serait Tchernobyl, dehors, il y aurait un putain de nuage toxique, personne sortirait de chez soi. Hein. Mais là, non, on le voit pas, c'est pas un problème. Je suis jeune, si j'attrape le virus, c'est pas grave, je vais pas en mourir. Ouais, mais en attendant, tu vas le filer à quelqu'un d'autre? C'est ça le problème, c'est qu'il faut que ce soit plus grave pour que ça rentre dans la tête des gens, quoi. Ah, ça y est. Allez, on y croit. Sharp test 5. Oui, c'est comme le nuage toxique de Rouen, hein. Il s'est arrêté à la frontière. Ah oui, du coup dans le chat, il faut parier. Combien de tentatives? On a commencé à 1600 tentatives. Non mais Missani, t'as perdu. Hein. T'as bien perdu là. Salut Expert Burn, comment tu vas? Retenez bien le nombre que vous indiquez. Hein. Parce que moi je vais pas retenir tous les nombres que vous m'envoyez. Hein. Ça va pas au pire. Nice. Bon, c'est un peu pareil ici. Hein. Curse of Vanishing, on l'a déjà récupéré, c'est bon.
Il nous manque juste sharpness 5. Oh, tu joues toujours à Minecraft, m'explore-donc, ou t'as arrêté du coup? J'ai pas tout suivi. Efficacité 5. On coupera pas le stream tant qu'on l'aura pas. Hein. Je vous préviens. Quelle idée de mettre cette fonctionnalité au PNJ aussi. Non, j'ai quand même une heure où je vais m'arrêter de jouer. Au bout d'un moment, ça va me saouler de faire ça. Hein. C'est un 3. C'est pas un 5. Power 5. Je joue des fois à date, je suis sur 5 serveurs NIA. Ouch! Ça fait beaucoup, hein. Tu as des usines à XP avec des spawners squelettes zombies. Avec qui joue, connaît rien à ça. Ah! Alors, parce que j'allais te dire, si tu veux, t'as toujours une place sur Agnablock, hein. Si un jour ça te tente de revenir jouer avec des têtes que tu connais. Efficacité 5. La saison 5, là, celle qui est commencée. Le dragon a pas encore été fait d'ailleurs. Après, c'est plus comme avant, hein. Y a pas d'obligation de faire des vidéos, des streams, c'est tu viens quand t'as envie, quoi. Si tu veux venir une semaine jouer, qu'au bout de 3 semaines, bon, t'en as marre, bah t'en as marre. Hein. Bonjour à ceux qui arrivent. Vous arrivez à un moment très intense. On est en train de faire du jonglage avec le métier de ce PNJ. Pour tenter de récupérer un sharpness 5. Z a déjà arrêté si j'ai bien compris. Bah je sais pas. Comme dit, je laisse les joueurs faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont invités, s'ils veulent venir jouer, ils viennent jouer. S'ils veulent pas venir jouer, ils viennent pas jouer. Je sais que tu vois par exemple, il y a des joueurs hein, comme... Oh. Ah, on va devoir attendre le prochain jour. Comme Keops, par exemple, il vient pas beaucoup jouer parce qu'il a d'autres choses à faire. Mais s'il veut venir jouer, il vient jouer, quoi. Non mais le bias. Si j'invite Mexper Band, c'est parce que c'est un copain. Je le connais. Ah yes, il va jouer avec Roi. On est à combien de tentatives, là, d'ailleurs? On était à 1600, on est à... On remonte. 1785 on est. On l'a presque cassé 200 fois et on n'a toujours pas trouvé le métier. J'aurais essayé. Ouh. Alors si arc, je pourrais prendre un sharpness 4, en prendre 2 pour avoir un sharpness 5. Mais là, dans l'idée, je veux absolument avoir le sharpness 5 en bouquin. Comme ça, j'ai juste à acheter un bouquin, plutôt que de combiner un autre bouquin.
C'est long, hein. Et du coup, lui, on l'installera probablement là. Il nous restera une place, ce sera pour shopping. T'imagines si on accouple deux villageois avec Sharpness 4, chacun, et on a un bébé qui nous vendra un Sharpness 5 ? Ce serait tellement débile. Ouais, pas de soucis, m'expert Barn. Hein. T'as tout le temps pour réfléchir. Si tu veux me donner ta réponse dans 5-6 mois, tu me donneras ta réponse dans 5-6 mois, y'a pas de problème. Mais voilà, au moins tu sais que les portes sont ouvertes, hein, si tu veux venir. En gros, si tu veux savoir comment faire cuire des pâtes, tu vas venir demander à ML aussi. Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai pas compris. On peut dormir ? Non, on peut pas dormir. Pas encore. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Il va faire nuit, là. Je vois les étoiles là, je les vois les étoiles. C'est bon. Nous pouvons dormir. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre qu'il reperde son métier et ensuite on pourra le retryharder. En attendant, il y a Al-Kazim qui stream en même temps que moi. Il stream sur du Ragnamod 2. Dans la vache, 34 jours sur Ragnamod 2. Merci Flo pour ton sub niveau 1. Bienvenue. Et merci beaucoup pour le soutien. Ah oui, si on parle d'un autre jeu que Minecraft, après ça dépend quel jeu, mais surtout si c'est pour me demander de télécharger une petite recherche sur Google, ça suffit, hein. Il y a combien de TPS le Ragnamod 2? Faudrait demander à Alka, mais je crois qu'il est plutôt pas mal. Hein. Je crois qu'il est plutôt pas mal parce que on a mis certaines règles et les gens le respectent. Je me suis même dit à un moment je devrais peut-être revenir jouer du coup. Donc il est plutôt pas mal. Faudra regarder sur le stream de Alka. Merci Vérolili pour avoir offert un sub à Fredo le ouf. Eh bien Fredo, bienvenue. T'as vu Saruna? On ira à la raid après. Et on lui montrera. On lui montrera c'est qui le patron. Et merci Stéphane pour le troisième mois d'abonnement Twitch Prime. Merci à toi. Allez, Sharpness 5. Please. Allez, please. Un petit effort. Plus vite ce sera fait, petit PNJ, plus vite je te laisserai tranquille. Fais un effort, donne-moi le Sharpness 5. On va pas tarder à couper le stream. Hein. J'aimerais vraiment avoir le Sharpness 5 avant la fin. Je me donne comme limite 19h. Si on l'a pas à 19h, eh ben on l'aura la prochaine fois. Ou alors j'essaierai de le tryharder dans la nuit. Comme ça je l'aurai. Encore une fois, si j'ai joué aujourd'hui avec vous, c'est parce que je me suis dit pourquoi pas lancer un stream. Faut l'encourager le PNJ. Allez le PNJ, t'es le meilleur. Oh, eh, on n'était pas loin.
Sharp Tescat, t'es le plus beau. T'es le plus fort. Il n'y en a pas deux comme toi. Allez. Bim, Emote Only. Pendant 2 minutes. Toshinori, bien joué. T'allais le faire, RIP. Faut donner des bits pour qu'il y arrive. Peut-être que ça marcherait. Hein. Allez, c'est toi le plus beau. Non, je rigole, c'est toi le plus fort. T'es le meilleur des PNJ. Y'en a pas deux comme toi. T'as de beaux yeux, tu sais. Bon, attends, fais pas chier. Donne-moi le Sharpness 5 là. Allez! Sinon tu vas mourir. Hein. Je vais brûler toute ta famille. En commençant par tes enfants. Et puis ta mère. Et puis ton père. Et ensuite tes grands-parents. Sans oublier ton hamster. Et tes serpents. Et ton PC. Ah! Il s'en fiche! Il s'en fiche! On va jamais y arriver. Hein. On va jamais y arriver. Hein. Merci Dairine pour les 100 bits. Allez le PNJ. Regarde le PNJ. On a donné des bits là. Fais un effort. Allez. C'est pas Mending que je veux. C'est Sharpness 5. Merci Ganem pour les bits. Regarde, il y en a plein qui donnent des bits. Vas-y. Fais pas yesh. Wesh. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave. C'est sorti tout seul. Allez. Fais un effort. C'est terrible, on va jamais y arriver. J'y crois plus, hein. J'y crois plus. Ah, Smite 5, j'en veux pas. Sharpness 5, je veux. Feather Falling 4, j'en veux pas. Le pire, c'est que je me souviens qu'au tout début de ma partie... J'en avais croisé un Sharpness, je crois. Mais il était beaucoup trop cher. Et vu qu'à l'époque j'avais pas énormément d'émeraudes, je me suis dit, bah tant pis. C'est dans ces moments-là où tu regrettes. Je ne dis plus rien. Comment on fait un PNJ custom? Alors là, il faut utiliser des commandes. Mais par contre, je ne sais pas du tout comment faire. On va jamais arriver avant le temps. Hein. On va jamais arriver, hein. T'en rends compte? On va jamais y arriver. Les gens ont donné des bits. J'ai dit que t'étais beau et fort, et toi t'en as rien à faire. Allez. On s'éclate comme des fous, hein. C'est incroyable, ce stream est phénoménal. Je sue des doigts, PNJ. Je commence à avoir les doigts qui glissent sur ma souris, là. Ah, ça y est, t'en veux plus? Ok. Bon, bah, je pense que le prochain round, ce sera le dernier. On a tout fait, hein. On l'a encouragé, on l'a caressé dans le sens du poil. Rien à faire. Alors actuellement, je suis en train de chercher le bouquin Sharpness 5. J'ai déjà un PNJ qui vend des Sharpness 4, mais ce que je veux absolument, c'est le Sharpness 5. Parce que je cherche à avoir tous les PNJ du jeu, donc ils sont tous là actuellement, avec tous les enchantements disponibles qu'on peut avoir dans le jeu. Hormis le Soul Speed qu'on ne peut avoir qu'avec les Piglings. Et hormis l'autre enchantement qui s'appelle Shopping. Qu'on ne peut avoir que sur une autre version de Minecraft.
Oui, faudra le refaire avec shopping, ouais. Chop chop chopping. Là, je le dis bien, chopping. Après 3 poses de lectern, tu auras le sharpness 5, t'inquiète. OK, bolide. Si après 3 poses de lectern, j'ai le sharpness 5, tu seras officiellement un VIP de la chaîne. Alors chopping actuellement pour l'instant on l'a pas sur la sur cette version de Minecraft. Mais quand il sera intégré sur la version de Minecraft, ça remplacera le sharpness de la hache. Actuellement on peut mettre sharpness sur une hache, plus tard on ne pourra plus. Combien de lectern cassés actuellement? On est à 1900. On a commencé à 1600. Ça fait déjà 300 qu'on casse. Ah oui, j'ai passé tous les enchantements sauf le sharpness 5. Hein. Et on a eu des sharpness 1, 2, 3, 4. Et là, on est obligé d'attendre qu'il fasse nuit. Pour passer la nuit. Et pourquoi il n'y a plus de PNJ d'ailleurs qui pop là? Ça, ça m'agace. C'est peut-être parce que je passe la nuit et du coup j'empêche le cycle de se faire correctement, je ne sais pas. Ma hache, elle est bien. J'ai actuellement une hache efficacité 5. J'ai pas mis de sharpness du coup dessus. Mais si j'arrive à avoir un sharpness 5, on lui achète le bouquin sharpness 5 et on le met tout de suite sur cette hache là. Comme ça, on sera bien. D'ailleurs, je pourrais me servir de cette hache plutôt que de me servir de ma fortune 3 là. Dès qu'on voit des étoiles, ça veut dire qu'on peut dormir. Le bias. C'est bien de tenter, hein. Oh. Yuryo-sama. Alors ça. Alors ça. C'est bien trouvé. Mais faut pas le dire. J'ai parié 1942, donc plus que 42 tentatives. Et 42, c'est pas la réponse à tout? Peut-être que, hein. Je peux pas te voir en live, mais rediffusion sera quand? Alors, pour ce live... probablement demain. Tu proposais quoi toi déjà efficacité 3 hein. Et merci Mancini pour les 100 bits. Merci beaucoup. Allez, PNJ, fais un effort. Donc comme dit, c'est le dernier round. Hein. C'est la dernière fois que je fais un cycle complet avec lui jusqu'à ce qu'il puisse plus changer de métier. Ensuite, on s'arrêtera pour le stream. Parce que je voulais m'arrêter à 19h, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout de ce cycle. Ah, ça y est. Non, je mettrai pas de 2 PNJ parce que ça me prendrait plus de temps d'aller regarder les enchantements sur les deux. Bon, déjà, il y en a un qui a perdu son VIP. On pourra pas l'avoir. Infinity, je le vois tellement de fois. Faut toujours essayer, Bolide. Et merci à toi, Mancini, pour les 110 bits.
Je vais lire ton message juste après. Là, j'essaie d'optimiser mon temps pour essayer d'avoir le plus de changements possibles au niveau des enchantes. Terrible, on a rien. Please, fais-nous plaisir. T-shirt des 5 là, allez. T-shirt des 5 là, allez. Allez. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que j'ai plein de PNJ actuellement. Et j'ai pas fait les trades à fond avec eux. Je suis sûr. Il y a au moins un PNJ là-dedans à qui j'ai pas fait les trades à fond. Si je le fais à fond, je vais débloquer Sharpness 5 quelque part. J'en suis quasi certain. Mais bon. Je le veux sur les deux premiers slots. On a réussi à avoir tous les autres enchantements comme ça. Non, non, AHL. J'ai un œil aussi sur le chat, hein. Tu racontes pas n'importe quoi. Je lis en diagonale, comme ça. J'essaie de lire vite, mais... On dit pas de bêtises. Please, 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 PNJ. Incroyable. C'est le caméléon. C'est un peu ça. C'est un mauvais caméléon parce qu'il me donne pas le sharpness 5. Il me donne tout le reste, mais pas le sharpness 5. Oh. J'ai les doigts qui glissent, ça y est. Je n'ai pas de faire trop pot 5 là, j'ai des smite 5 là, mais j'ai pas de sharpness 5. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? J'ai même du power 5. Et j'ai pas de sharpness 5. Ça va pas? On s'en fout du multishot. Qu'est-ce que je viens de dire? Multishot, ouh, t'as failli prendre un coup de hache parce que je viens de cogner le bord de mon clavier avec ma souris. Ça aurait été marrant de te prendre un coup de hache dans la tête, là. Tu sais qu'il est 19h, là. Toujours pas ce que je veux, hein. Tu le fais exprès? Qu'est-ce qu'on a dit sur le multishot? On s'en fout du multishot. Power 1, t'as pas mieux. Place protection 3, t'as pas mieux. Non mais hé. Ouais, tu me fais oui de la tête depuis tout à l'heure, mais j'ai pas l'enchantement que je veux, moi. Faire protection, mais hé. Bon, de toute façon, on va arriver au bout de la journée. Et du coup, il va me dire fuck pour changer. Ça va être bien. Et voilà. Il me dit fuck. Alors, ce qu'on va faire,
avant de couper le stream, c'est qu'on va noter le nombre de tentatives et qu'on regardera la prochaine fois le nombre de tentatives que j'ai fait pour arriver jusque là. RIP. Donc nous sommes à 2023 tentatives. 2023 tentatives pour essayer d'avoir cet enchantement. Donc moi je vais continuer tranquillement en regardant probablement un stream ce soir. Hein. Et prochaine fois qu'on se lancera sur Amalgam's Adventure 3, eh bien je vous montrerai le nombre de tentatives que j'ai eu. Je peux noter les 1600, ouais. Que j'ai eu pour avoir mon Sharpness 5. Voilà. Sur ce, on va se laisser là. Oh, c'est marrant. C'est marrant ça. Normalement, tu sais, quand t'es contre un mur, tu peux zoomer à fond. Mais pas avec le verre, apparemment. Tu peux voir à travers. Bon, c'est pas plus mal. Bref. Je vous laisse là. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Ce stream un petit peu random. Qui est sorti de nulle part. Parce que je m'ennuyais et je voulais faire du Minecraft. Et je me suis dit, allez, je lance un stream. Je vais vous envoyer chez l'ami Alkazim. Je vous invite à lui dire honteux. Juste pour l'embêter. Évidemment, c'est amical. Il faut lui faire comprendre que c'est amical. Mais vous allez lui dire honteux quand même. Et si vous avez accès à mes émotes, envoyez-lui mes émotes en même temps. Ça va lui faire plaisir. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Portez-vous bien. Et à bientôt. Bye.